Et on est en live normalement si j'ai pas merdé. Nous sommes en live, youhou. Coucou. Avec des nouveaux. Bonjour la France. Welcome. Bonsoir. Et on a plus Jenkins. Non, Jenkins, c'est. Et t'as plus un plus grand avenir. Vous allez voir de tout nouveaux persos, de tout beaux persos. Salut Farco et bon courage au boulot. Si tu y es encore. Des nouveaux persos, ouais, c'est vrai. Ça va faire du bien un peu des nouveaux persos. Tu me dis si la musique est chiante, je te la change. Ou pas. Ouais, ça va. Oh, du ça coup, va. Dans le stream, ils entendent aussi la musique peut-être? Ouais. Ah bah oui, elle est dans mes oreilles. Ça marche. Ok, si ça marche, c'est bon. Je vais juste mettre peut-être. Je change juste le volume. Nice story. Salut Dice. Donc là, on recommence, c'est un reload à la élite. C'est-à-dire que c'est toujours la élite, la même ville où les autres ont à peine réussi à rentrer. Sauf que là, tous les personnages de ce soir sont des personnages de la élite. Ça veut dire qu'ils connaissent tous un petit peu quelque chose, un quartier ou une personne, des choses, etc. Qu'ils ont tous un background perso et pour l'instant, aucun d'entre eux ne se connaît. Ils se connaissent pas du tout. Donc on va commencer vraiment du début, des tout beaux persos niveau 1 qui se connaissent pas et qui ont des particularités assez spécifiques, tous. Parce que c'est la élite et que la élite, bah, c'est comme ça. Alors, j'ai juste besoin de mettre les images où il faut. Voilà. Donc là, on va commencer l'aventure ce soir. Eh ben, on n'est pas vraiment dans la élite. On est tout au sud de la élite. Vous tous, vous vous retrouvez sur une barque. Vous êtes tous dans le même bateau pour commencer ce soir. Parce que vous allez, vous partez de la élite. Il est très tôt le matin. Et sur cette grande barque de passeurs, vous allez rejoindre les pontons de Mocastel. Alors, les pontons de Mocastel, vous savez tous ce que c'est. C'est, l'île de Monaco de la élite ou le Luxembourg. C'est-à-dire que c'est pas rattaché à la élite, ils payent pas d'impôts. Leur chef, c'est Bernice de Mocastel, qui est un homme avec beaucoup de charisme, que tout le monde connaît, tout le monde respecte et tout le monde craint. Ils font beaucoup de commerce avec la élite, mais par contre sur les pontons de Mocastel, il y a des choses qui sont autorisées qu'on ne trouve pas ailleurs. Les paris sont autorisés, et notamment les paris sur des crabes gigantesques, des tragnacs. Ça attire beaucoup de monde parce que les gens ils aiment bien parier, mais ils n'ont pas le droit de le faire à la élite, donc ils peuvent y aller. Il y a aussi beaucoup de ventes d'objets qui se font sur les pontons de Mocastel parce que ils sont pas taxés, et vous allez voir que dans la ville même il y a beaucoup de taxes, et il y a beaucoup de gens, notamment des prêtres du poisson d'argent, qui se font un plaisir de taxer un peu tout et n'importe quoi. Il y a aussi des gens qui ont pas forcément qui sont pas appréciés à la élite. Il y a beaucoup d'utruses. Les utruses, c'est des hommes qui ressemblent à des amphibiens un petit peu. C'est pas des serpents, hein. C'est des hommes plutôt hommes-poissons. On va trouver aussi un peu plus de Gopneldown, des petites créatures mi-orques, mi-elfes, mi-autre chose. Et là, on en aura un peu plus sur les pontons de Mocastel, parce que c'est là où sont un petit peu les marginaux. Il faut savoir quand même que les habitants permanents de ces pontons, c'est autour d'une île qui est fixe, où il n'y a que Bernice de Mocastel et sa famille qui y habitent, et il donne droit, il n'y a que lui qui donne droit expressément en personne, après un entretien, à certains marchands, à certains habitants d'y habiter. Si vous n'êtes pas validé, homologué par Bernice, vous pouvez venir, mais vous ne pourrez jamais y habiter. Et vous êtes tous sur cette barque de passeurs. Un passeur qui est impassible, qui est habillé avec une grande toge noire, avec une capuche. Vous voyez que son visage blafard, et sans parler depuis que vous êtes parti de la élite. Il est en train de diriger sa barque, et vous voyez que vous passez des endroits qui sont... il y a des remous, il y a des courants qui sont traîtres, il y a beaucoup... De bateaux qui ont réussi à s'échouer. C'est pour ça que tout le monde prend le temps de payer le passeur pour aller jusqu'au ponton de Mocastel. Et ce matin-là, dans cette barque, eh ben, il y a beaucoup de monde dans cette barque. Il y a
un utruse. Une femme à la chevelure flamboyante. Un énorme personnage très musclé. Et à côté de lui, un homme un peu plus menu, on va dire. Un nain qui est habillé en bleu, c'est la couleur du poisson d'argent. Et un Gopnaldon. Et il y a également, en plus du passeur, vous pensez que ce sont des nobles de la haute terrasse, de jeunes gens qui sont en train de se chamailler à propos d'une sombre histoire de mouchoirs volés à une jeune femme et une querelle dont vous n'avez pas trop bien envie de savoir ce dont ils parlent. Et tous dans la barque passe. Et imaginez qu'on regarde d'un petit peu plus près, mais qui est cette femme avec ses cheveux flamboyants? Elle a l'air très jeune. Alors oui, elle est très jeune, elle doit avoir, enfin elle a 15-16 ans, donc elle a les cheveux roux, longs, mais vous n'allez pas voir grand chose en fait, parce qu'elle porte une grande cape, et puis elle a mis sa capuche, donc en fait vous ne voyez pas grand chose. Par contre, elle observe beaucoup les personnes de cette barque, notamment le petit individu qui est dans la barque, là, le Capeldon, en fait. Elle le surveille, en fait. Mais vous n'en saurez pas plus. Par contre, elle a également une très grosse hache qu'elle porte dans le dos. Voilà pour cette jeune fille. Aucun signe visible ? Non, elle a vraiment très très protégée, avec sa cape et tout ça, donc normalement on ne verra rien de particulier. Sauf quelqu'un qui aurait une vue perçante, bien sûr. Bon, je vais quand même donner son nom, elle s'appelle Sulfura Dreki. On va s'intéresser à cette créature. Quelle est donc cette créature étrange ? Sur un côté de la barque, Gopnaldown. C'est une créature qu'on ne trouve que à la élite. Ah oui, c'est une créature qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Un croisement, goblinoïde, nain, elfe, tout un peu mélangé, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Ça ressemble un peu à tout, à rien. C'est un peu étrange à regarder. Et cette petite créature, un peu plus grand qu'un nain, à peine plus grand qu'un nain en fait. Et généralement rejeté par les autres races, hein, bien sûr. Et il habite plutôt les quartiers populaires, on va dire, de la ville de la élite. Et là, c'est étrangement que vous retrouvez cette créature sur cette barque. Bien qu'ils aient l'habitude d'être sur les quais, on n'en trouve pas trop normalement sur l'endroit où on va. Donc c'est un endroit un peu incongru. Juste à côté du Gopaldon, un homme, mais est-ce vraiment un homme, très massif. La barque pencherait presque plus de ton côté, Reto, je me trompe? Oui, ben non. non, c'est un personnage très 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 massif, très grand. Extrêmement grand, beaucoup plus que tout le monde, et bien plus lourd, c'est-à-dire qu'au moindre mouvement, la barque tangue. C'est évidemment un demi-orc, vous voyez, habillé avec une épaulette un peu en métal, des vêtements relativement légers et une énorme hache qui tient dans son dos. Et un sourire béat en regardant notamment la petite créature devant lui avec ses grandes oreilles qui sortent de la capuche. Et puis c'est presque s'il n'avancerait pas le doigt pour le toucher. Mais il a le sourire, il a l'air gentil comme tout. Du haut de ses 2m35 et de ses 150 kilos. Ok, et à côté de toi, Et là, je m'approche avec le doigt. J'approche le doigt pour presque toucher le petit machin avec ses oreilles qui dépassent. Si tu me touches, je te coupe la main. Oh, il est pas gentil, frère. Pas gentil. Et du coup, à côté de toi, quand tu appelles frère, il y a quelqu'un qui se retourne. Quelqu'un qui est
pas humain, il a des traits. Enfin, il n'est pas humain, moi. Il a des. Vous pensez qu'il a peut-être des traits elfes. La barbe assez longue, les cheveux hirsutes tout en. Avec des sortes de dreadlocks, en fait. Et oui, vous pouvez remarquer qu'à ses petites oreilles pointues, il a très certainement de l'elfe. Peut-être pas totalement, mais il a un petit côté elfe. Il a dans son dos un espèce de long bâton. Et vous pouvez voir qu'à ses grandes mains rugueuses, qui c'est très certainement quelqu'un qui travaille la terre, peut-être. Il a quelques flacons sur les côtés de sa ceinture. Et il se tient la barbe comme ça, en se la caressant. Il regarde le gros demi-orc et il fait t'inquiète pas, ça va bien se passer. Laisse tranquille. Laisse tranquille. D'accord. Et à côté de vous, il y a encore une créature que vous n'avez pas forcément l'habitude de croiser, ceux qui ne descendent pas sur la chaussée du lac. Vous voyez un humanoïde, très peu vêtu. Par contre, il a vraiment un faciès assez original. Ouais, il s'agit de Féroé. Féroé est une jeune utruse de 16-17 ans, habillée simplement, autour d'une épaule est enroulée comme un filet de pêche. Il tient une lance, plus un trident, une pointe taillée dans de l'obsidienne. Et sa peau est recouverte de petites écailles, comme des écailles de poisson, de différentes couleurs, bleu-vert, qui dessinent sur son corps et sur son visage tout un tas de jolis motifs. Et du sommet du crâne jusqu'en son dos, il y a une espèce de nageoire comme celle d'un poisson. Et voilà, il a un regard un peu perdu, mais il remarque un nain. Et il va s'approcher vers le nain. Et je lui dis bonjour, fils de la pierre. Et le nain lève un petit peu sa tête et te regarde en te disant bonjour, mon frère. Nous nous sommes déjà vus au temple du poisson. Oui. Le nain que tu vois là, il a une modeste taille. En fait, il a l'impression d'être un peu plus petit que tous les autres dans cette barque, finalement. Il a l'air d'avoir une vingtaine d'années, niveau apparence. Il a une légère collerette de barbe, pas encore complètement développée. Mais son faciès de nez un peu écrasé fait que il ressemble réellement à un nain. Il est vêtu avec une bure de couleur bleue et blanche, signe distinctif des membres du temple du poisson d'argent. Mais ceci dit, vous voyez également qu'il porte également une armure de maille. Il a un serre-tête avec un petit symbole d'un petit animal de couleur bleutée. Il porte également une petite chaînette à sa main droite qui entoure ses deux doigts et qui semble se rejoindre au centre de sa main avec un petit symbole. Vous voyez qu'il est également équipé d'une masse et d'un bouclier. Il est blond, il a la peau claire, les yeux bleus. Il a un visage plutôt enjoué, plutôt apaisant et serein. La barque commence à fendre les eaux qui vous approchent des pontons de Mocastel. Vous commencez à distinguer au loin des pontons flottants, parce que la plupart en fait de cette zone, c'est des pontons flottant, et vous commencez à arriver sur une zone où ça va tanguer un petit peu. Vous voyez le passeur qui passe qui dirige la barge en allant de gauche, de droite,
Et les deux nobliaux, qui ont l'air d'être très amusés par votre compagnie, ont commencé à vous pointer du doigt les uns après les autres et à pouffer de rire. Et ils trouvent que le Copnel Daon est un adversaire à leur mesure. Et vous voyez les deux qui commencent à s'approcher en encerclant un petit peu la plus petite créature de votre barge. Et Bast entend un des nobliaux... Qui c'est qui t'a permis de rentrer sur cette barge, toi, espèce de rebut d'égout ? Et l'autre qui réenchérit en te donnant une bourrade. C'est à ce moment-là que sort d'un trou de ma capuche une espèce de bête que vous ne reconnaissez pas tout de suite et qui saute à la visage du premier noble le plus proche de moi, en fait. Et en fait, il apparaît clairement qu'il s'agit d'un rat qui laboure le visage du premier noblio. Et moi, je me retourne vers lui en disant « Chlamydia, reviens ici tout de suite !» Je m'en ferai pas. Alors, le noble a essayé d'esquiver la bête et en fait, il s'est retrouvé par-dessus bord et il est tombé dans les eaux. La créature apprivoisée revient sur l'épaule du Copnaldon, sur Vas. Et vous entendez l'autre noblio. Et ça va pas, non ? Regardez, là, mon ami, vous pouvez m'aider, quand même ! Passeur, arrête-toi ! Il faut le repêcher ! Fallait pas s'approcher si proche. Et j'essaie de tendre vers ce pauvre bougre qui essaie de rattraper la barque. Et je glisse et j'appuie sa tête un petit peu plus loin sous l'eau, en fait. Non, mais que faites-vous ? Arrêtez ! Aidez-le ! Aidez-le, ce pauvre-là, il est en train de se noyer. Il a pas l'air de savoir nager. Faites quelque chose. Laissez-le, peut-être qu'il l'a bien cherché. Allez, oui, laissez-moi faire. Je vais aller l'aider, moi. Okay. Je m'écarte, bien sûr. Comment c'est passé, mes compagnons. Je me lève et donc de l'autre côté de la barque, essayer d'aider ce pauvre bougre à remonter dedans. Alors, tu veux l'aider en lui tendant quelque chose pour qu'il puisse l'attraper ou tu veux plonger ou dis-moi exactement comment tu plonges. Ah bah non, je vais prendre... Il doit y avoir une rame, je pense. Il n'y a pas de rame. Il n'y a que le passeur qui a son espèce de bâton. Donc, il faut que tu utilises quelque chose que tu portes sur toi. J'arrive vers toi, la rousse, c'est le furin. J'arrive vers toi et je te tends mon bâton. Ah, merci. Voilà. Merci, mon brave. Moi, c'est Darwin. Merci Darwin, c'est Sulfura. Je vais essayer d'aider cet homme à remonter dans la barque. Je ne sais pas s'il l'a mérité, mais si vous voulez le faire, venez. Je vous remercie. Alors, merci. Tu vas bien. Faire un test de dextérité, Sulfura. En fait, tu prends le bâton que te tend généreusement Darwin et tu vas consciencieusement donner un grand coup sur la tête du noble qui va s'enfoncer sous les eaux. Si c'était pour faire ça, vous auriez pu me laisser faire. Hein. Son compagnon se retourne. Mais vous êtes folle ! Il va vraiment se noyer ! Mais faites quelque chose, enfin, vous tous ! Que faites-vous là ? Vous voyez bien qu'on a essayé et... De le noyer Vous avez essayé de le noyer, j'en suis témoin. Qu'il en soit ainsi. Et je reprends mon bâton. Il a basculé, c'est des choses qui arrivent. Faites quelque chose. Je vais plonger. Allez-y. Je vais le rattraper et puis essayer de le pousser par-dessus, à l'intérieur, en me tenant d'une main au bateau et en le tenant de l'autre côté pour qu'il ait la tête hors de l'eau. Tenez, accrochez-vous. Alors, quand tu vas essayer de l'approcher, il te voit arriver et en fait, il prend peur et il se débat de toutes ses forces pour pas que tu le touches parce que tu es un utruse et que franchement, il a entendu des histoires horribles sur toi. Donc, il va essayer de se débattre de toutes ses forces pour t'échapper. Il faut que tu fasses un test de force. Mais je vais pas vous manger, je vais vous aider. Lâchez-moi, monstre. Retournez dans les abysses dont vous êtes issu. Lâchez-moi, blou, blou, blou. Il faut que tu fasses ton test de force, que tu réussis. Tu peux le sécu par-dessus tête dans la barque, si tu le souhaites. Ouais. Oh ouais. Ok, donc, voyez Furoi qui fait passer le noble par-dessus tête. L'autre vient le voir et dit,
ça ne se passera pas comme ça. À la élite, tu verras, mon frère. Nous allons tous les dénoncer, tous ceux-là. Nous allons bien leur dire qu'ils ont essayé de te noyer entre cette espèce de créature des abysses et cette espèce de petit rat. Hein, nous allons tous les voir. Et ils vont se mettre tous les deux au fond de la barque et ils vont commencer à faire des messes basses. Mais vous commencez à arriver près des pontons de Mocastel. Bon, ben, d'un peut-être... geste agile, je remonte dans le bateau. Et puis, voilà. Geste agile, je le remets à la flotte. Eh bien, okay. Vous avez fait preuve d'une agilité incroyable. Quel est votre nom déjà? Je m'appelle Féroé. Enchanté, Féroé. Moi, c'est Harald. Harald, enchanté. Et que venez-vous faire si matinalement et dans cette humidité ici? Ah, eh bien, aller à la rencontre des nouveaux fidèles et porter la bonne parole, bien évidemment. Ah, d'accord. Le temple du poisson d'argent a toujours besoin de fidèles et de... Et voilà, et de biens et toute autre chose. Et vous? Eh bien, j'ai entendu dire que certains objets usés étaient en vente sur un étal de marché ou mis en vente, aux enchères, je ne sais pas. Et j'étais curieux de savoir s'ils étaient authentiques ou pas. Car voilà, je m'intéresse un petit peu à l'histoire oubliée de mon peuple. J'essaie de la reconstituer et peut-être vous pourriez m'aider. Ben, si je le peux, avec ouais. Grand plaisir. Sachez que... À ces mots, tu remarques brièvement que je lève la tête, le regard, que je te fixe quelques secondes et que je continue mon chemin. Moi? Oui. Ah. Vous arrivez okay. sur le ponton de Mocastel. Le passeur va tendre une corde qui était à la proue de son navire et il l'envoie. Et vous voyez une nuée de gamins de 12-13 ans qui accourent vers le bateau en disant « Ah moi, passeur, c'est mon tour aujourd'hui, c'est mon tour !» Et du coup, le passeur, vous voyez, il jette un coup d'œil entre 2-3 et il va lancer sa corde vers le tas de gamins et il y en a un qui va réussir à rattraper la corde et il va se précipiter, il va faire un nœud pour amarrer la barge. Ensuite il va se faire d'un saut très agile, il va sauter sur la barge, courir tout le long de la barge et rattraper une corde de l'autre côté et en fait vous allez avoir la barge qui va être amarrée de façon à ce que toute la longueur de la barge soit contre un ponton qui vous permet en fait de tous débarquer en même temps. Les deux nobles vont sortir très vite de cette barge en grommelant. D'accord, fais-moi le test que tu sais. On s'en rend les messes basses, on va rien. Ah. Moi, le test que tu sais. Le test que tu sais. Ok. Donc tu vas réussir. Les deux nobles vont s'éloigner un petit peu. Et vous voyez, quand vous arrivez sur les pontons, il n'y a que des bâtiments. Quand vous débarquez, vous avez l'impression de continuer à avoir le mal de mer. Parce que quand vous marchez, ben ça bouge. Les pontons, ils sont vraiment encore sur l'eau. Et ils sont attachés les uns aux autres. Vous voyez, d'un côté, il y a des marchands. Des marchands de fleurs. Des marchands de nourriture qui sont du côté ouest. Au centre, loin devant vous, vous voyez la silhouette d'un château. Mais c'est assez loin. Et juste devant, vous avez un bâtiment qui est en dur cette fois-ci. Au-delà des pontons. Qui ressemble à un espèce de colisée qui est bâti en dur. Les nobles vont se diriger vers ce bâtiment-là. Aussitôt que vous avez débarqué sur les pontons, vous avez des gamins plus petits que ceux qui sont arrivés la première fois, viennent et qui commencent à vous tirer un petit peu les manches et tout. Vous voulez parier aujourd'hui? C'est le combat de Lulu qui a été 7 fois vainqueur. C'est, il est parié, il y a 5 contre 1. C'est le meilleur combat de Trianec auquel vous allez pouvoir assister. Prenez, vous pouvez prendre des tickets, on a des places pour vous mettre aux endroits où vous verrez tout. Ou alors vous pouvez parier avec nous. Les gamins, il doit y en avoir 6 ou 7. Ils s'essayent de s'accrocher un petit peu à vous tous, que ça soit le prêtre, que ça soit la jeune femme, que ça soit le druide ou
l'homme un peu plus costaud, ils vont tous s'accrocher à vous, à vos basques en fait. Ils essayent de vous traîner en direction des arènes. Gare à vos poches. Ouais, non, doucement mais... les enfants, doucement, doucement. Calmez-vous. Tu vois Reto, je t'avais dit qu'il y avait des combats de Trianek ici. Chic, 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 chic. Si vous nous achetez des tickets maintenant, on aura les meilleures places. Les combats vont commencer en début d'après-midi. Qui c'est qui veut un ticket? Vous, monsieur, là. Vous, le grand monsieur vert. Moi, qu'est-ce que j'en voudrais bien? Eh ben, il faut donner une pièce d'argent, monsieur. Une pièce d'argent, et vous allez être juste devant. Vous pourrez même être éclaboussé par le sang de la créature qui va perdre. J'aurai une pièce de ma bourse. Alors, t'as à peine sorti ta bourse que, bien sûr, la pièce a déjà disparu. Tu sais, c'est très très rapide, les enfants de tête à cet âge-là. C'est bien, Reto. Prends bien ton ticket, ne le perds pas. Il te donne en fait le ticket, c'est un jeton. Il te donne en fait un jeton où il y a une pince de crabe stylisée dessus. Un jeton en bois. Joli. Moi aussi je vais leur en prendre un d'ailleurs. Ok, ben tous ceux qui demandent pour être au premier rang, hein, parce que tu peux assister au combat autrement, mais là, vraiment, vous êtes juste devant l'arène, vous allez pouvoir en profiter, en prendre plein les mirettes, vous dit un gosse. Je sors une pièce pour Darwin, et puis je paye, enfin je donne au même gamin. Ok, ben il donne et puis dit, surtout, hein, vous oubliez pas, vous venez à 14h, vous me verrez, je serai juste devant l'entrée et je vous ferai passer, vous allez être tout devant, monsieur, ça va être super, vous allez voir le meilleur combat que vous avez jamais vu. Et quel est ton nom ? Ils sont bons, hein, aujourd'hui. Quel est ton nom ? M'appelle Tuc. Très bien, Tuc. Nous te rejoignerons. M'appelle Tuc. Et le gosse, après, il a d'autres avec lui. Ils vont tous essayer de voir. Ils essayent... tiens, ils essayent même à toi, Vas. Ils essayent de tirer. Bon, ils ont pas vu ton roi, donc ils se rapprochent un peu. Ils disent... Hey, toi aussi, tu veux voir les combats ? Je lui donne une claque derrière la tête. Je lui dis, file. Bon, à l'autre... Il a même pas joué. Et hop, il se rattache, il s'accroche à toi, Sulfura. Et vous, madame, vous voulez voir ça, un beau combat, avec plein de sang et plein d'entrailles? Non, j'ai affaire, allez. Et Firo, il est pareil. Je sais pas qu'ils ont pas essayé de faire. Firo et Harald, les gosses, ils viennent vers vous. Non, mais allez jouer ailleurs, les enfants, vous, là, ce n'est pas le moment. Ben, les combats... Monsieur le prêtre, vous allez pouvoir bénir le gagnant, il gagnera encore plus. Allez, faut venir. Oh, mais non, mais voyons, Harald, vous voyez bien que ces enfants sont dans le besoin. Vous nommez bien Harald, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Tout à fait. Vous voyez bien que ces enfants sont dans le besoin. Vous ne serez pas obligé... Puis on connaît maintenant ma pelle, Tuc. Vous serez obligé de... Vous n'êtes pas obligé d'y rester des heures, mais vous faites au moins une bonne action envers ces enfants. Regardez-les, comment ils sont habillés. Ouais, monsieur, une bonne action, comme qui dit, là. Allez, une bonne action. Allez. M'appelle Tuc. Il y en convaincu, a d'autres. Je leur donne une petite pièce d'argent. Ok. Et quel est votre nom déjà, vous avez dit? M'appelle Tuc. Tuc. Vous, c'est Tuc. Et vous avez l'air d'être très proche. C'est à nous, vous deux. On est à côté. Oui, vous deux, là, vous, Tuc et... Ah, je m'appelle Darwin et... On est à côté. Ah. C'est mon Darwin frère. Et Tuc, d'accord. Et mon demi-frère, Reto, qui se trouve là. Ah. C'est moi. Vous ressemblez pas beaucoup, hein. Ouais, je regarde, je me baisse. Je suis plutôt de petite taille. Yeux, Et du côté de la maman. Ah, peut-être dans le regard, effectivement. Mais je suis un peu bas, excusez-moi, je vois pas bien. Alors je me baisse, puis je colle mon nez quasiment à toi. Ah ouais, effectivement. En tout cas, vous avez l'air d'avoir une très grande force. Ouais. Cherchez pas trop à discuter, ça va tourner. Vous inquiétez D'accord. pas. Comme disait mon maître, même le père et la mère du tout sont fiers de leurs enfants. Ah, oui. Je le regarde. Je regarde Darwin. Pourquoi il parle des poux? Il veut pas de poux. T'inquiète pas, il parle. C'est une expression. Et je t'ai expliqué les expressions. Et des fois on dit des choses, mais ça veut pas dire vraiment ce que ça veut dire. Voyons, Reto, je t'ai déjà expliqué. C'est pas grave. Allez. Pas de poux, moi.
Si vous avancez sur le ponton, vous voyez en fait il y a une énorme affiche qui est juste ben, quand vous sortez de la zone où il y a les barques qui accostent. Et vous voyez, il y a une énorme affiche pour une vente aux enchères qui a lieu ce matin à 10h précises. Ah. Et on vous promet des lots exceptionnels, vente aux enchères à ne pas manquer. Et vous voyez que c'est... alors, je recherche juste le nom de... Je ne me souviens plus, mais il y a le nom du vendeur. C'est... Je ne me souviens plus, mais je vais le retrouver. Le commissaire priseur... Ben, j'aurais pas retrouvé son nom. Bref, il y a le nom du commissaire priseur dessus. Et il y a même un petit plan qui vous montre où c'est pas très loin. Vous avez juste à traverser les pontons. Et c'est sur des espèces de maisons en bois assez cossues qui sont bâties juste à l'est. C'est quoi ça ce que tu décrivais? Désolé, je t'ai entendu. C'est une affiche pour la vente aux enchères du mois. Offre exceptionnelle. C'est Sir Seafa qui a mis en place ses enchères, en fait. Mm-hmm. Cela peut vous intéresser, Féroé. Merci beaucoup, là, pour votre compagnie. Je vous laisse, j'ai des choses à faire. Merci donc, également, moi, madame. Je pars direction... Je fais au revoir de la main, Sulfura. Direction Odile. Direction la vente aux enchères. Okay, ok, tu diriges du côté de la vente aux enchères. Et qu'est-ce que vous faites tous un petit peu là dans... Donc, Sulfura, droit sur la vente aux enchères. Moi, j'ai pas attendu la scène, je me suis dirigé direct aussi vers l'endroit. C'est un endroit un petit peu plus cossu, il y a des maisons plus de marchands. Rito et Darwin, vous avez réussi à vous débarrasser des gosses maintenant que vous avez acheté les jetons. Mmh. Okay. Rito, c'est toi qui gardes la bourse, hein, si j'ai bien compris, avec les fonds. Ah, oui. Okay. Ah, il arrive à s'occuper de quelque chose. Les sous font du bruit dans la bourse. Moi, je vais essayer de chercher quelqu'un tout en me promenant. Et puis moi, je vais où il y a des combats de crabes. Bon, c'est pas tout de suite les combats de crabes. Non, c'est en début d'après-midi. Donc vous m'avez dit... Moi, tout de suite, si on complique les trucs... Vous m'avez dit Féroé, Sulfura et Vass, vous allez en direction de la salle aux enchères, c'est ça? Harald aussi. Oui. Et Harald aussi. Oui, je vais accompagner Féroé. Ok. Darwin et Rito, vous regardez autour de vous, vous voyez les quatre qui étaient avec vous dans le bateau qui partent en direction d'un quartier qui a l'air assez cossu. Les petites boutiques des marchands, à cette heure-ci, ils vendent surtout de la nourriture en fait. Bah, s'ils partent dans un quartier qui est assez cossu, je vais essayer de les suivre quand même. Ouais, parce que là, tu sais, il y a des barques flottantes avec des marchands à la sauvette et tout ça, mais il n'y a pas grand chose d'autre. Et c'est là où ils vont, ça a l'air d'être un peu plus construit et un peu plus en dur. Bah, je leur fais signe, je leur fais attendez, on se dirige par là, nous aussi. Ah bon, bien, venez donc avec nous. Venez donc avec moi. Mais oui, viens Reto, t'inquiète pas, c'est pas tout de suite les combats. D'accord. Pas tout de suite les combats de gros crabes. Ah, j'ai envie moi, je suis venu voir les combats des gros crabes. Pas tout de suite, je te l'ai promis, on ira cet après-midi. Ouais, parce que c'est bien quand t'esquisses ta table dessus. En avançant un petit peu plus, donc vous allez passer le quartier, on va dire, marchand... marchand de rue, il n'y a pas vraiment de rue en fait. Quand vous vous approchez, vous voyez que même les maisons, elles ont été construites à partir de bateaux qui ne naviguent plus. Et il y a à nouveau l'affiche de vente aux enchères sur un bateau qui a été réaménagé en maison. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont mis des madriers de chaque côté pour bloquer le bateau en position droite. Et que ben à l'intérieur ça a été construit, c'est assez cossu, c'est du beau bois. Et vous voyez, il y a des gens qui commencent à rentrer au niveau de cette salle. Il y a quelques personnes. Vous voyez un prêtre du temple d'argent qui rentre d'ailleurs. Ah, bah je vais le suivre.
toi, tu vois que c'est une rivière. Ah, eh bien... Alors que tu n'es oui. qu'un ruisseau. Bah, tout à fait. Ouh là là. Eh bien, je viens de voir un membre de mon temple plus élevé que moi rentrer à l'intérieur. Me dépêche, du coup, pour aller Maître faire ma Harald, votre équilibre est-il stable ou voulez-vous que je vous aide à marcher sur ces pontons flottants? J'avoue qu'un petit coup de main ne serait pas de refus. J'avoue que c'est un petit peu... Allez, je vais vous aider. Et... Merci beaucoup, Féro. En fait, quand vous marchez, en fait, ça s'enfonce et ça remonte. Donc, c'est assez déstabilisant. Pour toi, Rito, c'est la première fois, il me semble, que tu viens au ponton de Maucastel. Donc, tu vois, tu poses le pied, ton pied s'enfonce et t'es assez lourd. Donc, en fait, t'as carrément la planche qui s'enfonce, puis t'as l'autre qui s'enfonce pas forcément en même temps. Donc, à certains moments, t'es obligé de contrebalancer d'un coup un peu brusque. Au bout d'un moment, c'est... Enfin... Peut-être que tu préfères là où tu marches d'habitude. C'est assez déstabilisant pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Hein. Vous savez, Maître Harald, j'ai l'habitude. Nos maisons au village Utruse sont flottantes. Elles montent et descendent en fonction de la marée. Voilà, et c'est... Bon, c'est comme ça. Et... Ouais, vous avez le pied agile et leste, hein, ça se voit. Je suis un petit peu plus... Question d'habitude. Voilà, j'ai un petit peu plus de mal, mais... Heureusement que vous êtes là. Alors, je vous demande juste une seconde, puisque j'ai une carte qui, bien sûr, a disparu. Donc, vous arrivez dans cette fameuse salle aux enchères que je vais vous montrer sitôt que je l'ai retrouvée. Voilà. Ah non, il faut que je mette. Y a quelques personnes, ceux qui rentrent dans la salle. Mmh. En plus du prêtre, il y a quatre personnes qui font plutôt partie des gens assez aisés. Vous voyez, même sur... sur leurs vêtements, ils sont vraiment... Vous pensez qu'ils ont des bourses bien remplies, hein. Ils ont l'intention de participer aux enchères et pas seulement spectateurs. Est-ce qu'il y en a un qui paraît responsable de la vente ou de l'endroit où on est ? Non, parce qu'en fait, vous allez rentrer... Je vous montre ça tout de suite. Vous allez rentrer dans une antichambre déjà en premier. Alors, j'essaye juste de faire en sorte que ça marche. Ça a l'air bon. Alors, attends, faut que... Ok, je vais vous partager ça en espérant que ça marche. Je vous mets dessus. Normalement, vous voyez rien, c'est tout noir. Oui, c'est tout noir. C'est noir. C'est tout sombre. Je... Il fait nuit. Vous mettez le champ. Là, Darwin. Donc Darwin et Rito, vous les avez suivis. Harald. Enfin, je suis de loin, moi. Enfin, ouais. Voilà. Bah, je t'ai mis le plus loin possible sur la carte. Hein. Désolé, okay. Non, mais... Voilà, donc pour ceux qui rentrent, vous retrouvez juste en face de la porte. Donc, c'est Harald qui est rentré en premier. Hein. Ah oui, j'ouvre la porte et je rentre à l'intérieur, bien évidemment. Et voyons, je regarde un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, mais c'est surtout quand je vois mon supérieur hiérarchique, eh bien, tout à fait, je vais aller le voir directement, illico presto, lui présenter mes hommages, bien évidemment. Est-ce que vous pouvez rentrer dans la salle ou pas? Elle est où la porte? Je sais pas, elle est où? Alors, elle est en face de toi, Harald. Ah, attends, hop, open. Oh! Ah oui. Ah oui. Oh, c'est beau. Mais j'arrive pas à rentrer. Appuyer sur open. C'est parce que t'es pas en face de la porte. Faut se mettre devant la porte. Test de perception. Ah, voilà. Non. Reto. Oh là. T'es rentré? La porte est ouverte. Suivez-moi, les amis. C'est une grande porte qui s'ouvre. Je vous laisse rentrer jusqu'à ce que. Tac. Oh. Quel bel endroit. Sur la carte, WebFormi. Quel bel endroit. J'ai pas entendu. Je suis tout seul sur la carte. Ah, parce que vous êtes pas rentré en fait. Attends, si. Sulfura. Si, on est rentré, mais on est chacun tout seul. Non, moi je vois tout le monde. Moi je vois tout le monde. Moi je vois Adèle, moi. C'est juste un partage de vision. Donc, normalement, vous êtes censé... Sur le stream, enfin tout, je vois bien tout le monde. Moi je vois personne. Et tout seul, Harald ? Ok. Oui.
Ben, en fait, là, la salle, elle n'est pas encore ouverte. Si vous pouvez commencer à vous asseoir là où t'es Harald. Mais t'es tout seul parce que. Pourquoi est-ce que les autres, ils sont invisibles? J'en sais rien. Ils ont peut-être fui. Ils doivent être en token, je sais pas quoi. Ils sont tombés dans l'eau. Un problème de vision entre les tokens, je sais pas. Ils ont glissé sur une algue. Flaf, flaf. ouais, ben moi, c'est surtout. Je retiens Reto parce que là, c'est cossu quand même à l'intérieur. Ouais. C'est joli. Bel endroit. Oui, non, mais je sais pas ce qu'on vit aussi. On a. Enfin. Moi, je suis assise au fond de la salle. Fais comme maman. Je vois un nain courir devant moi. Fais comme maman t'a toujours dit. Alors, moi, je bouge, mais je vois personne. Surtout, tu touches à rien. Si, si, ouais, tu touches à rien et tu t'essuies les pieds. Et tu ne parles pas. Je vois petit top. Je vois la dame aux cheveux de feu. Milady, je me. Mes respects. Ah, ça y est, je vois Féroé. Je vous bloque juste parce que je peux pas vous rendre invisible si vous courez partout. Je suis désolé, mais du coup, voilà. C'est le nain qui court partout. Hein. Alors, désolé, hein, ça court vite. Une petite seconde, ça court vite, hein, c'est pour ça, je suis désolé, j'ai partout, presque fini. 5 cases de normalement, vous voyez tout le monde là. C'est bon. Ouais. Donc, en fait, vous avez l'antichambre. Donc, dans cette antichambre, vous voyez que il y a une demi-elfe qui vous regarde entrer et qui vous propose un catalogue de vente, payant évidemment, si vous souhaitez, avant d'aller vous asseoir dans la salle où sont déjà installés certains d'entre vous pour la vente. Donc c'est 5 pièces d'argent le catalogue. Est-ce qu'on peut feuilleter avant? Vous ne pouviez pas le montrer comme ça, qu'on regarde vite fait? Alors elle te montre la couverture, Sulfura. Mais c'est elle qui les a, donc le terme feuilleté ne correspond pas à son éthique personnelle. Et soit on achète, soit on n'achète pas. Non, bah, j'aurais la surprise. Voilà. C'est une elfe un peu hautaine, tu sais, elle se met dans le petit bureau là qui est à droite avec ses fascicules. Et donc si tu souhaites en acheter, eh bien tu dois débourser 5 pièces d'argent ou ne pas l'avoir. Non, bah, je vais attendre la bonjour, vente. Bonjour madame. Et donc elle te voit arriver à ton tour, Reto, elle te propose un joli, tu vois le catalogue sur le dessus, il y a la copie de l'affiche avec écrit en gros donc le nom de celui dont je ne me souviens pas le nom, c'est Siafa je crois. Sirfa. Siafa. Voilà c'est ça. Et puis voilà, qui c'est qui n'arrive pas à bouger, qui me fait des trucs bizarres? C'est pas moi. T'arrives pas à bouger ou... Non, j'arrive pas à bouger. Moi c'est... J'ai pareil, j'ai un... Mais c'est peut-être parce que je me déplaçais beaucoup. Oui, non, mais le MJ nous a bloqués. Non, ouais. Normalement... Comme ça, j'ai un écran noir maintenant. Si je me déplace, ça fait une ligne en pied là qui se déplace. Oui, ouais, bah moi aussi. Parce que t'as bloqué quand t'as mis... Alors, là, normalement, vous êtes plus bloqués. Ça marche. Ah, ça marche. Donc... Je ferme, est-ce que tu peux me remettre la fenêtre? Je ferme. Okay. Si personne n'achète le catalogue, vous êtes invité à prendre place pour la vente aux enchères qui va commencer. Les objets ne sont pas exposés avant la vente. Ah bah non. Je regarde Darwin, je regarde le catalogue et je fais, faut que j'en prenne. Bah non. Non, parce qu'il faut savoir lire, mon cher. Mais si, il faut prendre un catalogue. C'est le meilleur moyen de profiter de la salle de la vente aux enchères, monsieur. Oui, mais je ne sais pas ce qu'on fait là, donc. Merci, madame. Si vous cherchiez votre chemin, peut-être que vous feriez mieux de le passer. C'est ce que nous allons faire. Pas la peine de prendre ce ton. D'accord. J'entends des trucs bizarres. Il y a quelqu'un qui s'est déco, j'entends des gloungs. Bon, c'est pas grave. On sort du coup. Non, c'est l'ambiance que j'ai mis peut-être. Ah oui, pardon. Et mais il m'en manque un, qui c'est qui est plus là? Vas, tu y es. C'est moi, j'ai un écran noir maintenant. Bah non, je suis plus. Non, je te repartage. Il manque le petit en capuche là. C'est parce qu'il a disparu, alors attends, je te remets. Discret, délinquant. Ouais, en fait, il est là, mais il est discret. Voilà. Ouais, il faut se méfier de... Ouais, gardez bien votre bourse, les mains sur la bourse. Ok, donc vous installez, il y a déjà deux personnes qui sont installées dans la salle, Reto et Darwin. Derrière vous, il y a du monde, en fait, qui rentre.
Il y a deux hommes qui dégoulinent un petit peu. Qui dégoulinent. Ah, on les reconnaît. Et qui vous voient. Ah. Laissez-nous passer, vous voyez bien. Nous devons rentrer. Vous là, le gros vert là. Laissez-moi passer. Il va te passer en te bousculant un petit peu et tout. Il bouge pas. Bah, du coup, il n'arrive pas à passer. Non, il réessaye avec l'autre épaule. Il bouge toujours pas. Et il essaye de se glisser entre le chambranle de la porte et entre Darwin. On s'en va alors. De toute façon, nous, oui, on va. Oui. On va attendre dans la rue, nous. On n'a rien à faire ici. On va aller boire un coup. C'est ça. Et du coup, tu laisses passer le type en capuchon. Pars, je fais comme s'il n'était pas là. D'accord. Ok. Donc, pendant que les autres vous vous installez dans la salle, vous deux dehors, vous voyez en fait sur de part et d'autre les boutiques commencent à peine à s'ouvrir autour de vous. Il y aurait éventuellement une taverne où vous pouvez boire un coup, par contre, qui est pas très loin de là, où vous avez vu en fait sur le marché, les gens qui étaient en train de vendre sur les bateaux, ce genre de choses. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Bah, mais je veux pas aller trop loin non plus. Oui, bah c'est pas très loin, c'est une boutique plus loin de celle-là. Quoi. Tu vas avoir l'œil sur la porte de sortie. Donc, de la salle de vente aux enchères. Tu vas trouver un coin sympa où effectivement il te propose. Donc c'est tu voulais boire de l'alcool ou enfin je sais pas il est tôt mais bon après la bière. Sur de la bière. Voilà. Alors c'est une bière qui est assez particulière parce que en fait elle est un petit peu salée, elle est faite avec de l'eau de mer salée. Mmh. Donc c'est très rare parce que la Élite c'est un lac, ce n'est pas une mer salée. Donc on te vend ça. Ou alors t'as la bière locale, en fait t'as trois catégories de bière. La super rare salée qui est très chère. Je regarde où l'image est la plus belle. Du coup sur la bière salée tu vois il y a une espèce de un espèce de requin en fait sur l'image sur la piquette bière de bas étage tu vois un type bourré et sur la bière qui a l'air d'être une qualité un petit peu meilleure il y a beaucoup de mousse hein, tu vois ça a l'air de la mousse onctueuse et bien meilleure tu vois une femme avec deux chopes de bière sur la bouteille c'est une femme bien en chair avec ses deux chopes de bière là. Ouais je prends ça moi. Ah bah voilà donc ça coûte c'est en pièces de cuivre là hein. Donc, si tu payes une pièce de cuivre t'as une pinte d'un demi-litre. Je prends la et ils te servent des petites crevettes sur des brochettes pour accompagner ça. J'essaie de pas manger la brochette en même temps. Ah, donc, et moi, je prendrais juste un petit thé, quoi. D'accord. Et ben, il y a plein de thés différents voilà. Et en fait. Du coup, ils vont te servir une infusion de thé gris ils vont poser ça sur toi. Vous voyez en fait la ville qui commence à se mettre en les marchands qui commencent à mettre en place leur devanture et tout ça autour de vous. Et à celui qui sert, je sais pas si c'est. J'essaye de me renseigner voir si parler d'une certaine monette. Ouais, c'est une patronne. En fait, c'est une femme entre deux âges, un petit peu grisonnante, qui est pas trop bien réveillée parce que c'est tôt quand même. Et donc elle te dit à monette. Oui, la petite marchande de fleurs. Vous savez où se trouve son échoppe? Ben, elle n'a pas vraiment d'échoppe, elle vend sur sa barque. Elle devrait pas tarder à arriver. D'accord. Elle devrait pas tarder. Regardez par là, et elle te montre, en fait, tu sais, là, quand t'es arrivée, il y avait toutes les petites barques, là. Elle te dit, elle va se mettre par là, elle va pas tarder à arriver. Très bien, vous savez à peu près à quoi elle ressemble? Elle est si je la vois. Plus petite que vous, elle a les cheveux bruns bouclés, de très beaux yeux mauves, et surtout, elle porte toujours un collier fait avec ses fleurs fraîches.
Très bien, je vous remercie. Et puis tout le monde la connaît, Monette. Hein, si vous demandez, on vous la montrera. Si vous savez pas, demandez-moi et je vous montrerai. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent la voir. Elle vend des fleurs très, très rares. Très bien, c'est très gentil de votre part de me donner ce renseignement. Bonne journée. Mais de rien. Et elle vous laisse tranquillement. Après, il n'y a pas beaucoup de monde à cette heure-ci hein, qui sont en train de boire quoi que ce soit. On revient à la salle de vente aux enchères. Vous vous êtes installé et vous voyez Circe et Afa qui rentrent dans la pièce. Alors, il est tout voûté et il a des toutes petites lunettes sur le bout de son nez et il a une espèce de houppelande, vous ne savez pas si c'est gris ou si c'est vert, indéfinissable. Il va poser sur sa petite chaise qu'il y a derrière lui. Il va commencer à se racler la voix un petit peu. Bon, ça va bien prendre 10 minutes. Le prêtre s'est assis pas très loin de toi, Harald. Ah bah, je vais le voir et m'asseoir à côté de lui. D'accord. Donc il te dit « Ah, je ne savais pas qu'un autre de mes confrères avait été affecté à la collecte des taxes après la vente aux enchères. » Je viens juste d'arriver, cher frère, et Palu, Rivière, Palu. Oui, ah oui, oula, oui, oui, cher maître. Et je suis plutôt là pour rencontrer les fidèles et prêcher la bonne parole. Ah, eh bien... Je n'en suis pas encore à la collecte ciel. Eh bien, vous allez peut-être m'être utile. Je n'ai pas mes yeux de 20 ans. Essayez de bien retenir qui achète quoi à cette vente aux enchères et je vous expliquerai quelques ficelles qui vous serviront bientôt quand vous aurez monté un petit peu en grade. Et du coup, il va s'asseoir à côté de toi. D'accord, très bien. Harald. Je me nomme. Attends, j'ai un problème, j'arrive pas à bouger ma carte. Ah, attendez, je peux plus bouger la carte et j'arrive pas à voir. Ah, ça y est. Alors, Vas, je te réponds que, en fait, le seul responsable, c'est le monsieur qui est en train de se remettre ses petites lorgnettes en place et de se gratter le nez en attendant le début de la vente aux enchères. Il prépare son petit marteau, d'ailleurs. J'essaye d'aller le voir. Ben là, il est en train de se préparer à taper les coups de marteau pour commencer la vente. Il te voit arriver. Regarde par-dessus ses bicycles. Monsieur, il faut est-ce qu'on peut s'entretenir quelques minutes? Là, je dois commencer la vente aux enchères. Le moment n'est pas très choisi, jeune ami. Je suis justement là pour ça. Pour les ventes aux enchères. Oui, ça va commencer. Je suis sûr qu'il est possible de s'arranger. Et je sors une petite bourse pour la glisser devant moi. Il te regarde, et par-dessus ses petites lunettes, il te regarde et te dit « Les arrangements ont déjà été faits pour cette vente aux enchères. Nous allons commencer. Mais si vous avez assez d'argent pour gagner les ventes que vous souhaitez, vous n'aurez pas de problème. Ne vous inquiétez pas. » Je suis sûr que mes amis vous en seront très reconnaissants, si tout se passe bien. Oui, mais mon jeune ami, il y a beaucoup d'amis par ici, certains plus puissants que d'autres. Nous verrons bien après cette vente aux enchères, et vous aurez toujours la possibilité d'acheter l'amitié de celui qui aura remporté la vente que vous le souhaitez, je n'en doute pas. Bien, si vous voulez, vous me gênez, je dois commencer ma vente aux enchères. Je lui souris à pleines dents et je fais une petite courbette. Voilà, c'est cela, asseyez-vous. Vous n'êtes pas bien grand, mais vous allez gêner la vente, asseyez-vous. Il prend son marteau, son petit marteau. Vous entendez trois petits coups. La vente aux enchères de Maucastel va commencer. Je suis Circe Afa et je vais vous présenter de magnifiques pièces aujourd'hui. La première pièce que je vais vendre aujourd'hui est un magnifique candélabre en acier dans le style du temple du crâne. La mise à prix est à 250 élites. C'est des pièces d'argent, je le rappelle, ce sont des pièces d'argent. Il le dit pas, mais je vous le dis. Qui voudrait acquérir cette magnifique pièce du temple du crâne? Alors effectivement, c'est un candélabre en argent qui est constellé de pièces de crâne. En fait, c'est des petits crânes qui ont été emboîtés les uns aux autres et recouverts d'argent. C'est absolument très crâniesque comme style. Enfin bon. Et il commence à le mettre, et là, vous voyez autour de vous, donc ça bourdonne.
qui c'est qui va enchérir et tout ça. Et figurez-vous, oui, il y a des gens qui vont surenchérir. Vous voyez une des femmes qui était rentrée avec vous, qui est habillée tout en noir, des grandes cernes sous les yeux, et sitôt qu'il commence à mettre en vente aux enchères pour 250 élites, eh bien, elle lève la main, et vous voyez le commissaire qui écrit donc j'ai une enchère à ma gauche. Y a-t-il quelqu'un qui veut surenchérir pour le crâne? Est-ce que l'un d'entre vous est intéressé, ceux qui y sont? Non. Non. Donc non, la vente va continuer et au final, c'est pas cette femme en noir qui va réussir l'enchère, c'est un gros bonhomme joufflu qui a une tête d'angelot qui va remporter la prise pour la modique somme de 325 élites. Et il continue, il va y avoir des objets qu'ils ont présentés. Et on arrive à un collier. Un collier qui est fait entièrement de coquillages. Et je vais maintenant vous présenter une œuvre de toute beauté qui a été récoltée ici par le peuple Utruse. Ce collier Utruse qui date d'avant le grand châtiment. Est-ce que quelqu'un voudrait commencer les élites? Alors nous allons commencer à 55 élites. Est-ce que quelqu'un est intéressé par ce magnifique collier? J'ouvre les enchères. Hein? C'est quoi un élite? Je demande à... C'est des pièces d'argent. Ah, ce sont des pièces d'argent. Ça vous intéresse peut-être? Ça a l'air d'être Monsieur, est-ce que je peux le voir de près, ce collier? Les enchères peuvent être examinées, mais ne peuvent pas être touchées. Approchez, regardez. Oui, je peux le regarder. Alors en fait, il te le présente pas comme ça, il te le met sur un espèce de petit truc. Tu peux faire un test, tu veux chercher quoi? Bah, des runes, des signes d'écriture. Est-ce qu'il me paraît vraiment Utruse ou est-ce que c'est une grosse arnaque? C'est ça que je... D'accord, fais-moi un test d'investigation. C'est un skill. Pas bon à ça. Ah si. Oui, c'est... Alors, Féroé, c'est Utruse parce que... Alors, tu sais que les runes Utruse, maintenant, vous écrivez plus trop, donc c'est pas très bien conservé. Mais tu reconnais des symboles qui sont utilisés pour des décorations encore tribales. Et tu penses qu'ils se rendent pas vraiment compte de la valeur de ce qu'il a parce que ça a l'air d'être vraiment très ancien. C'est vraiment des runes anciennes utruses sur ce collier. Je reprends la mise en vente aux enchères du magnifique collier utruse qui intéresse fortement ce jeune homme qui est utruse et qui vient de me certifier par son intérêt que ce collier est utruse. Je monte donc la vente aux enchères à 65 élites. Est-ce que quelqu'un est intéressé à 65 élites une fois? Je peux donner une perle. 5 élites, deux fois, c'est... Une perle. Oui, une perle. Une perle. Montrez-moi. Ah, on paye en perle ici. Montrez-moi ça, mon jeune ami. Il va combien se mettre, de litres tu sais, il va se mettre un gros machin là, tu sais, les espèces de loupes là, tu sais. Un monocle. Voilà, tu sais, les trucs des bijoutiers là. Ouais. Il se met ça, et vas-y, file-lui ta perle. Tu lui montres quoi, t'es comme perle, Furui? Bah, je lui montre la première perle. Ah, c'est... Vous n'en auriez pas d'autres, par hasard. Je lui montre la deuxième. Affaire conclue. Il pique tes perles comme ça. Les deux, hein. Il prend les perles. Il dit, et voilà, le magnifique collier remporté par le jeune homme Utruse. Vous devrez rechercher votre lot à la fin de la vente aux enchères, mon jeune ami. Pendant ce temps, je vous abandonne quelques instants et nous retrouvons attablés devant le thé et la bière, Darwin et Rito. Alors, un dé à 4 faces plus un dé à 2 faces, ça fait 6, Rito, je te l'ai déjà dit. T'es sûr? T'es pas à 8 là? Ben oui. Oh. Et ça fait pas des doubles. 3, 6, 8. Il y a l'aubergiste qui vient de taper sur l'épaule Darwin et qui dit « Eh regardez, vous cherchez la petite monnette là, regardez, elle est en train de s'installer là-bas. Voyez la petite barque là, où elle a tous les paniers de fleurs là, elle est en train de s'installer. » Oh, moi j'aime bien les fleurs. Ah bien, il va falloir que j'aille voir cette dame, Reto. Je peux venir? Ah bien sûr. Non, je viens, j'aime bien les fleurs. Est-ce que... qui gratte? Non, c'est la gratte pas. C'est, je cherche quelque chose de... Il faut... C'est des fleurs pour maman. Vous pouvez me faire un... Mon œil qui brille.
Vous pouvez me faire un test de perception tous les deux. Vous vous levez, vous vous dirigez vers le... Réto 14. Perception. Non, 16, Réto, pardon. Perception, mieux quoi. Ok. Réto, donc vous allez passer devant la salle de vente aux enchères. Oui. Tu vois, il y a un homme qui est habillé tout en vêtements, en couleur sombre. Il est en train de... Il a un espèce de... Tu vois pas trop, un bâton, tu sais pas trop quoi. Et il est en train d'appuyer sur une fenêtre. Derrière, en fait, parce qu'il y a la salle aux ventes aux enchères. Et bon, bien, il y a une ruelle sur le côté. Et en fait, tu vois qu'il y a un homme qui est en train d'appuyer en fait sur un bâton, sur une fenêtre derrière. J'arrête... Je secoue la manche de Darwin. Darwin. Oui. Il y a le monsieur, il trouve pas la porte. Je crois pas qu'il cherche la porte. Dis-moi, on va se mettre juste derrière lui. Et sois discret, pour une fois. Il marche sur la pointe des pieds. Et ce que je veux, c'est arriver juste derrière lui, puis lui faire... D'accord. Après, il y a pas mal de monde qui commence à circuler, en fait, sur les pontons. Donc, discret, on va dire que c'est plutôt un petit peu caché avec les gens qui bougent. Vous n'êtes pas tout seul dans la rue, donc vous pouvez passer le long de la... Ce que je veux, c'est aussi mettre Reto si jamais l'autre se retourne et puis qu'il court, quoi, tu vois. D'accord. Mettre Reto, en fait, c'est mettre un mur, quoi. Tu veux mettre... Alors, je bouge la pointe des pieds. Juste voilà. Les tokens. En gros, tu mettrais Reto ici. Voilà. Et toi, Thierry, tu passerais le long de la ruelle. Voilà, ouais. Et puis, arrivé à un moment, quand je vois qu'il... Je sais pas ce qu'il fait avec son bâton. Et il a l'air spécial, son bâton, ou enfin, c'est bizarre, son truc. Et ben, en fait, tu vois qu'il essaye de le mettre pour... Il y a un des volets qui est fermé, et il essaye, en fait, de le mettre entre les deux volets pour péter le volet, quoi. Je peux lui dire que la porte allait plus loin. Je crois pas qu'il cherche la porte. Cher ami, vous avez besoin d'aide? Alors, le mec va se retourner... Il te voit, derrière toi, il y a Reto. Il dit non, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, je fais un contrôle de sécurité, tout va bien. Et oh. Il se met son. Hop. On va pas comme ça. T'as pas l'air d'être un gars qui fait la sécurité. Non, je teste, les gens m'embauchent pour vérifier que tout va bien, qu'il n'y ait pas de fuite de sécurité, enfin des trucs comme ça quoi. Il commence à reculer un petit peu, tu sais, en même temps. Oui, bah moi j'avance. Et je regarde Reto et je lui fais... Tac. Je lui cours dessus et je le tape. En fait, tu veux le plaquer ou tu veux... Je le plaque, ouais. Tu veux le plaquer? Je le plaque. Ok. Alors, en fait, tu vas faire un jet de dextérité et lui, il va faire aussi un jet de dextérité. Parce qu'il est vif comme une anguille. Alors, on va voir si tes réflexes... Hop, alors... Ouf. Ouh, ben, je le fais même pas. Tu éclates... Oh là là. En fait, tu éclates le mec au sol. C'est... Donc, t'es beaucoup plus lourd que lui. Donc, sans hésiter, 154. Tu le maîtrises. Tu le maîtrises. D'accord, je reste dessus, hein. C'est-à-dire que je le chope, je le plaque, je suis dessus, il bouge plus. Non, là, il bouge plus. Puis tu l'as sorti tout l'air des poumons, là, pour le coup, il bouge vraiment plus, là. Je vais voir le mec, je me mets à genoux. Je fais, si tu veux que le gros tas il s'enlève de toi, explique-moi ce que tu faisais là, s'il te plaît. Rajoute un petit s'il te plaît. Ah, t'occupe pas. Bah, c'est rien. Il y a un bourgeois, là, qui m'a payé pour que j'ouvre là et... Et que je rentre dans cette salle, c'est rien quoi. Il y a quoi du dans petit cette boulot, facile. Et tu devais faire quoi dans cette salle? Je devais déjà laisser la fenêtre ouverte. Et puis après, je devais attendre au cas où ils aient besoin de renfort. Ils aient besoin de renfort pourquoi? Bah moi, on m'a dit, t'attends là, si on a besoin de renfort pour la castagne, tu viens. La castagne? Ah ouais? Vous voulez en être? Je suis sûr que mon patron, il a assez de sous pour vous payer. Ouais, ça pourrait être drôle. Il est où ton patron?
Ben là, tout de suite, je crois qu'il est rentré à l'intérieur. Mais aussi, si vous m'aidez, quand il appelle pour la castagne, vous pouvez venir avec moi. Ça devrait pas tarder, là. Oui. Reto, tu peux te relever? Je me relève, mais en même temps, je le tiens ouais, par tu, le oui, bah, avec oui. les deux mains, donc il se relève à ma hauteur. Voilà, mais puis plante-le devant. Les pieds dans le vide. Vas-y, fais ce que t'as à faire et reste avec mon frère. Moi, je vais faire le tour et je vais rentrer dans le... Toi, tu veux rentrer dans... Ouais, moi, je m'éloigne et puis je vais rentrer, voilà. Là où les autres sont rentrés. Et puis je dis à Reto, tu le gardes à l'œil et tu le laisses faire, mais tu restes derrière. Alors, Reto, tu vas voir, en fait, il est en train de s'escrimer, il essaye de passer le bâton entre les deux volets pour péter les volets. Donc, je t'abandonne là, Reto. Darwin, je te laisse re-rentrer. Au moment où je le repose, tu veux, je le tiens, c'est-à-dire qu'il a toujours ma main douce, ouais. petite et délicate, collée sur son col au niveau de sa nuque. D'accord. C'est-à-dire qu'il peut pas se barrer, quoi. S'il veut faire quoi que ce soit, je le chope. D'accord. Bah, je le lâche pas, quoi. Il m'a dit de pas le lâcher, je le lâche pas. Tu le maintiens. Alors, du côté de la salle de la vente aux enchères, après quelques articles très intéressants, notamment une bouteille de vin de Pierre de Byton de 1962, ainsi qu'un attrape-rêve corasien, vous voyez arriver le clou de la vente aux enchères. Ce pourquoi tous ceux qui étaient dans la salle, qui n'est pas un chéri, quand le commissaire-priseur arrive avec un petit coffret, vous voyez un espèce de soupir d'attente des gens qui sont à côté de vous. Ah, et vous voyez, alors il faut que je vous le retrouve maintenant, j'ai trop de trucs sur mon écran. Et il apporte un petit coffret ouvragé à l'intérieur duquel il y a 3 œufs. Il pose soigneusement le coffret sur son bureau et il se tourne vers vous. Et nous arrivons à la pièce maîtresse de cette vente aux enchères. Nous avons ici, je vois, 3 œufs d'hippogriffe. Ils sont mis en vente pour la modique somme. Nous allons commencer les ventes aux enchères à 1500 élites. Évidemment pour le coffret qui contient les 3 œufs. Y aurait-il du monde intéressé? Alors il a à peine dit 1500 élites que vous voyez déjà, il y en a qui commencent à se trémousser là, qui se préparent là. Attention! La vente aux enchères commence! Et il tape sur le petit bureau pour la vente aux enchères. Est-ce qu'on peut s'approcher? Est-ce que je voudrais m'approcher des œufs là? Oui, mademoiselle, une question peut-être? Oui, est-ce qu'on peut voir les œufs de plus près? Bien, nous interrompons momentanément les ventes aux enchères pour que cette jeune dame puisse admirer notre lot. Allez-y, mademoiselle, approchez. Donc je vais me lever et je pense que je vais entrouvrir ma cape. Et je vais me avancer très dignement, si vraiment tout le monde peut me voir. Et donc, aller admirer, voir les œufs de près. Alors attends, je vais montrer à tout le monde ce que du coup... Parce que j'ai pas pu mettre ton image tout à l'heure. Du coup, je me suis dit que c'était pas un bon moment. Mais maintenant, où t'ai-je caché? Je te demande juste une seconde, parce que c'est important que tout le monde te voit. Est-ce que tout le monde me voit? Que tout le monde m'entend? Oui. Ben je t'ai perdu, figure-toi. Attends, je vais te retrouver. Je vais chercher avec ton nom. Sulfura. Et vous voyez que sous sa cape, la jeune femme a une armure. Une belle armure argent, très belle, qui scintille et tout ça. Wow. Vous savez tous ce qu'elle est. Elle fait partie du corps des dragonniers de la élite, la garde d'élite du roi Dieu, celle auquel vous devez tous obéissance. Bon, donc je m'approche des... Je suis très fière de mon effet, hein. J'espère que tout le monde a admiré... admirer tout ça, et donc je m'approche des œufs et donc je voudrais être certaine que ce sont bien des œufs d'hippogriffe. Ok, tu t'approches un petit peu et là je te demande même pas de test, il sait pas ce qu'il vend. C'est clairement pas des œufs d'hippogriffe.
Tu les reconnais d'autant plus que si tu te souviens quand il y a eu le vol, il y a eu quelques œufs que vous avez jamais retrouvés. Oui. Ben, tu sais Tu sais que ce que... sont exactement ceux-là. Je fais arrêter la vente. Je suis Sulfura des Cris. Je suis aspirante dragonnière. J'ai réussi à passer avec brio toutes les épreuves liées à mon rang. J'ai été choisie par mon dragon, Glitandry. Je vous demande de cesser cette vente tout de suite. Ce sont des œufs volés. Oh, volé. Oui, je sors ma hache hein, pour faire Oui, un peu plus carrément. effet. Oui, ah bah oui, il Oh, faut que j'y aille moi je suis très cash. estomaqué sur mon banc. Oh. Et vous avez des preuves de ce que vous avancez? Comment ça? Juste, Ce sont des œufs de dragon. juste à ce moment-là, Darwin, tu rentres dans la salle. Ouais, je rentre. Tu passes la tête. Voilà. Mais sur le pas de la porte, je m'adosse. Je regarde ce qui se passe. Alors, t'as le commissaire CFA qui te regarde, Sulfura, et qui te dit, mais, ce ne peut pas se passer comme ça. Nous ne pouvons pas annuler la vente. Doit y avoir vente. Il me faut un échange de valeur contre ces œufs. Ce n'est pas possible. Alors ça peut s'arranger, hein. Alors, j'interviens au nom du roi Dieu, au nom de Laëlith. Pouvez vendre des œufs de dragon. Et au moment où tu dis ça, tu as deux des personnes qui étaient au fond de la salle qui se lèvent. Et vous allez tous ceux qui sont dans la salle me faire un test de dextérité. Sauvegarde ou... Non, dextérité cette fois-ci. Oh, ouais. Ah, dextérité. Oui. Ouh là là. Alors. Donc Dext Darwin 11. Ok. Féroé et Vas, c'est vous qui avez fait moins de 10. En fait, le type, il sort une espèce de gros fiole de sa poche. Il le balance tout au fond de la salle. Et vous voyez une explosion. Une fumée noire qui va commencer à s'étendre dans la salle. Et surtout, des grandes flammes qui commencent à venir sur le fond de la salle. C'est sur le bureau sur lequel sont entreposés les objets qui ont été déjà vendus, y compris le collier Utruse. Reto, tu entends. Ton voleur a réussi à ouvrir les volets. Juste à ce moment-là, les volets s'ouvrent, pardon, et tu entends des hurlements, qu'il y a le feu qui vient d'être mis, et tu vois tu sens l'odeur de la fumée qui s'échappe de l'intérieur du bâtiment, Reto. Et je vous demande de faire les zéniths, et après, vous allez me dire ce que vous allez faire. Ah. Ok, ça marche. Donc, vous avez d'un côté la fumée noire qui commence à prendre feu du côté des objets. Certains d'entre vous, en fait, ont été blessés par l'impact de l'explosion. Donc, ceux qui ont été blessés, c'était Féroé et Vas. Alors. Hop, je vous dis ça tout de suite. Vous perdez 5 points de vie parce qu'il y a des petits éclats de verre en fait qui vous ont constellé sur vous et qui vous ont blessé. Ah, quand même. Oui. Un feu grigeois, maison, qui plus est, ça fait mal. Et donc, je reprends les zéniths. Attends, c'est Féroé qui va agir en premier. Reto, c'est bon, tu l'as fait aussi? Oui. Alors, j'ai juste. Ça me fait chaud cette carte qui ne peut pas bouger. Voilà, j'ai juste besoin. Alors, ça, c'est bon. Tac. Voilà. Donc, vous avez dans la salle un des hommes qui a lancé le. Un des hommes qui a lancé le truc qui est là, son acolyte qui est là. Ok. À côté de toi, je vais changer le token de celui qui est à côté de toi, Reto.
Hop, parce que il me faut juste un tout petit instant que vas-y, je mette vas-y, en vas-y. Place. Voilà. Et du coup, c'est à toi, Firoï. Tire. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, comme il y a le feu par là, moi je fais un bond jusqu'au bureau du maître priseur. Je prends mon collier, je jette la boîte aux œufs à... Non, une action. Tu peux aller jusqu'au... Parce qu'en fait, le coffret, il est au niveau du maître priseur. Ouais. Le truc que tu cherches, il est sur la table qui est au fond à droite. Là, c'est là que le feu a pris. Alors, je crois pas que j'ai un token feu. Le collier, il est sur la petite table qui est au fond. Ah, et ben, j'essaye d'aller récupérer mon collier, moi. Ok. Donc, du coup... attends, je cherche feu. Je dois voir... Ah, j'ai beaucoup de fire élémental, mais c'est pas ce qui m'intéresse. J'ai ça, ça va le faire. Attends. Est-ce que c'est important pour la suite? Voilà, là c'est le feu. C'est visible ou pas? Non. Non. On ici c'est visible, t'as ton cercle de feu. Je le vois. Je le vois pas. Ah, non, pas sur la table à côté de Féro. Ah, si, voilà. Ça y est, ça vient d'arriver. C'est là où le feu vient de commencer. Féro, tu peux réussir à ton action, à prendre ton collier. Par contre, il faut que tu me fasses un jet de dextérité. Parce que là, tu dois plonger ta main dans les flammes hein, quand même. Et t'aimes pas trop ça en plus. 8, c'est tu te fais brûler. T'arrives pas à... Ok, tu perds 3 points de vie. Et t'as pas réussi à le choper. Bye bye, fin de l'aventure. Merci pour tout. Tu perds 3 points de vie. Pouf, merde. Vous voyez Féroé qui s'est précipité vers les flammes et en fait vous le voyez reculer et s'effondrer, mais de toute évidence cette créature est pas faite pour résister aux flammes. Ensuite Reto, toi tu es de l'autre côté. Oui. Tu es de l'autre côté, tu vois le bonhomme que tu tiens qui a réussi à ouvrir les volets. Il rentre à l'intérieur de... Alors je suis pas sûre que je puisse ouvrir ce truc, attends. Toc, si. Il rentre en fait à l'intérieur de la maison. Qu'est-ce que tu fais? Je t'avais dit que je le tenais, moi. Il dit ouais. Pas rentre. Ben, il te dit, il faut qu'on y aille. Moi, les derniers ordres que je t'ai donnés, c'est tu le suis. Moi, j'ai dit, bon, bah, je suis. Tu rentres? Ok, tu vois le bonhomme. Toujours en le tenant par le callback. D'accord. Donc, tu vois, il traîne, enfin, ou tu le tiens en laisse. Tu vois qu'il passe. Oui. Et il se dirige. Il va se diriger là, et en fait, tu vas reconnaître que c'est l'endroit où tu étais tout à l'heure. D'accord. Donc, tu vas voir ton frère de dos, en fait. Et... Donc là, c'est une action de mouvement, le temps que tu rentres par-dessus la fenêtre et tout ça, et que t'arrives, d'accord ? T'as vu, par contre, que quand t'es passé, donc je te replace ici, t'as vu que quand t'étais là, il y avait un couloir qui continuait et tout, hein, mais bon, si oui. Tu devais pas le lâcher, je te montre ça. Ah bah moi, je le lâche pas, moi. Je le lâche pas, ça marche. Je le lâche pas. Derrière, je le tiens, et comme ça, je suis sûr de pas le lâcher. Celui qui a jeté le feu grigeois, vous voyez, il prend une énorme arme courbe, un cimeter, attrape la première personne qu'il a à côté de lui, et il vous crie à tous, « Sortez tous d'ici, reculez, allez-vous-en, j'ai mis le feu, tout va cramer, partez !» Et en même temps, il chope le prêtre, et il met son cimeter sous la gorge du prêtre, dit, allez-vous-en, vous allez tous finir comme celui-là, allez-y. Pour l'instant, il a juste mis la lame, hein, il n'a pas fait autre chose. Vous avez son collègue, qui est juste à côté, qui commence à se diriger vers le bureau. Donc il va s'approcher de toi. Voilà. Et c'est à Darwin. Je cherche ce que je fais. Ok. Mais moi, je vais faire chier mon monde. Hop, ici. Je vais lancer un sort qui me prend une action. Ça prend 20 feet. Paf.
Celui, c'est, hein, c'est, tu peux l'enlever la flèche que t'avais mise ou pas, parce que je sais pas comment. J'ai pas mis de flèche. Ah bon, c'est pas grave, c'était un truc de tout à l'heure. Je pointe là, et comme vous me faites tout chier. Attends, cast, save. Faut que je sélectionne tout le monde. Non, c'est pas ça, sélectionne. Voilà. Et en fait, il y a des herbes et des plantes et tout est et du bois qui va pousser du sol. Et ceux qui vont louper leur jet de sauvegarde sous force DC-13 vont être restreints. Donc, je vais boucher moins vite. Donc normalement, si je fais ça, ça devrait le faire. Ouais. Ça je le pense fait. Que ça va le faire voilà. Tout seul. Génial. Je m'en fous. Mais est-ce que tout le monde est restreint ou pas? Non, alors, faut que je. Oui. J'ai fait. Vas, oui. Le bandit, bah non, ça a pas marché. Ah, merde. Le bandit. Le... Alors c'est le 2, c'est celui qui. En pas plus, purée. C'était. Voilà. Merci. Et par alors contre, ça a marché sur coup... tout le monde sauf sur lui. Du coup, attends, parce que je sais pas comment. Restrained, untangle yourself. Ça a marché. Attends, je sais pas si je fais ça, ça donne quoi. Je teste un truc. Faut que je. Non, ça fait sur tout le monde. Je pensais que ça allait faire que sur ceux qui avaient loupé, mais non. Donc faut que tu l'enlèves. Parce que moi, je peux pas l'enlever. Il y en a qu'un seul, en fait, qui a pas ouais, été touché. Tu peux l'enlever. Celui qui bouge. Alors, attends. Mais je crois qu'il y est pas, lui. Hein. En plus, il est pas sur le. Ouais. Non, il a pas été pris. Ah, il a pas eu. Non, donc c'est bon, ça a bien marché. Donc ceux qui sont immobilisés par les plantes, c'est ça, et puis alors, ils peuvent pas se déplacer. Non, ils sont juste restreints. Restreints, c'est hop là. Tu peux utiliser une action pour faire un jet de sauvegarde de force contre le DD de sauvegarde du sort, donc c'est 13. Je pense que ça va se faire automatiquement. Ces plantes, en fait, le terrain est difficile. Tu sais, ça fait condition terrain difficile. Et tout de suite. C'est pour les déplacements que ça va vous gêner. Vous pourrez faire les c'est actions. Ça. En fait, c'était juste les tirs à distance, c'est bon. Mais par contre, c'est juste pour gêner. Pour avancer, je voulais gêner les bandits, mais ça a gêné que les bandits. Après, vous avez bien les petits icônes qui sont apparues. Hein. Si vous zoomez, oui. Vous verrez que vous êtes restrained. Ok. T'as une autre action Non, c'est ça me prenait une action donc. Bah, c'est à toi. Et tu vois que cette espèce de plante, en fait, ça t'empêche d'avancer librement. Donc tu te retrouves un petit peu coincé. Tu dis que normalement, ça devrait faire un test de force automatique. Non, tu dois le faire. Normalement, ouais, je sais pas si ça va le faire automatiquement ou pas. Ouais, c'est juste que tu te déplaces plus lentement, en fait. Donc là, je peux pas faire de test de force. C'est, pour ce tour-là, c'est déjà fait, non? Non, tu dois pouvoir le faire, je pense. En fait, ils ont fait un sauvegarde de force au moment où t'as lancé le sort. Ah, maintenant bah oui. Que c'est à son tour, il peut le faire, peut-être. Ouais, c'est H. Vérifie. Ah, désolé, les gens, nouveau perso, nouveau sort, hein. Faut qu'on s'habitue, hein. Une créature restreinte par les plantes peut utiliser une action pour faire un jet de force. Pour réaliser encore un jet de force. Et en cas de succès, tu es free. Tu es libre. Tu es libéré. Tu peux le faire, mais du coup, ça va prendre ton action. Et un sauvegarde de force et le degré de difficulté, c'est 13. Après, moi, j'ai une vitesse de 30. Alors, je sais pas à quoi ça correspond. Alors, en fait, quand tu es restreint, c'est divisé par 2, en fait. Alors, bon, bah, ça te laisse assez. C'est comme sur un terrain difficile. Ouais. Et 30, ça correspond à combien de gaz, tu sais? Bah, tu vois, moi, mon cercle, ça fait 20. Donc, 20 feet, 30 et voilà. 30 si tu peux faire 15, tu vas presque au bout du cercle en fait. Toi. Après, je peux me décaler par là et puis. Tant que t'es pas dans le cercle, ouais. Et puis après bouger quoi. Oui. Donc je me décale pour sortir de la zone restreinte et je me précipite sur l'endroit où il y a les œufs. D'accord. Donc, je sais pas si c'est au niveau du bureau, c'est ça? Ouais, en fait, au niveau du bureau, t'as le commissaire CFA, ben. Il a vu le feu et tout, il sait pas trop
Là, tout de suite, ça s'est passé très vite. Hein. Les tours de jeu, n'oubliez pas que c'est quelques secondes. Donc, effectivement, le coffret est toujours sur son bureau. Ah bah je ramasse le coffret. Ah non, mais attends, il est devant moi. Je les étudiais, les œufs. Donc, on va voir. Après, tu peux le prendre. Mais là, avec ton tour, tu peux arriver et prendre le coffret d'œufs dans tes mains, Vas. Et je le glisse... sous ma toche. Donc tu vois, hein, Sulfura, il vient de prendre le coffret 2. Mais après, à ton tour, tu pourras faire une action, il n'y a pas de souci. Donc par contre, du coup, ensuite, ça va être à Harald. Ok. Donc Harald, il... Pareil, t'es restreint, mais ouais. Ça ralentit juste. Toi, je sais plus combien t'as de déplacements, mais t'as la moitié de tes déplacements possibles. 5 cases, oui. J'ai quand même vu mon... le Féroé tombé au sol, ouais. Et du coup je voyant quand même que le prêtre de l'autre côté est sous la menace, je réfléchis, hein, mais ça prend un quart de seconde, et du coup je brandis ma main droite où il y a mon symbole qui s'illumine, et je dis « Ô grande Denora, déesse de la compassion et de la guérison, j'en appelle à ta toute puissance, soigne ce malheureux. » Et d'un coup, une sorte de petite puissance magique va aller sur Féroé et remettre un petit peu de vie. Un mot de guérison. Ok, tu veux essayer de le cibler? Alors, pour le faire sur lui. Je vais voir si ça marche. Donc son insigne, c'est un poisson d'argent. Exactement. Oui. L'insigne que j'ai sur la main, c'est un petit bateau. Donc, Féroé, tu vas reprendre tes esprits affaiblis, un peu cramé, un peu desséché, mais tu reprends tes esprits. Voilà, il reprend un peu de vie. Donc ça, c'était mon action bonus. D'un coup, en action de mouvement, je dégaine en main mon arbalète. Du coup, je la charge. Parce que je ne l'avais pas chargé. Voilà, je me prépare à tirer au carreau d'arbalète. Tu prépares ton arme et. À tirer sur celui qui menace mon. Menace ton supérieur. Exactement. Ça marche. Ensuite, Sulfura. Tu vois le Gopneldaon qui vient de s'emparer du coffret. Sous tes yeux, à ta barbe et à ton nez. Et donc, il est là où. Il s'est redéplacé. Vous êtes séparés par le bureau. D'accord. Je dois faire pour sortir de là, il faut que je fasse un jet de sauvegarde de force, c'est ça? Oui, plus que 13. Ouais. Ouh. Ah ouais, non, mais là, ça va pas le faire. Hein. Ouais, c'est bon. L'autre qui me pique mes œufs, là. Donc je vais me déplacer et je vais attraper Vas. Ok. Tu te retrouves au corps à corps avec Vas. Vas, tu veux faire quoi exactement? Ah je m'arrange pour, si elle m'attrape, pour me glisser, l'enlever ma toge et puis continuer à avancer. D'accord. Donc du coup, Sulfura, c'est plutôt un jet de dextérité que tu vas devoir faire, parce que c'est une véritable anguille. à mon avis, elle arrive à te choper quand même, Vas. Par contre, j'ai besoin que tu me jettes, Vas, tu vas me jeter un D6. Un D6. Non, attends, pardon. Non, j'ai rien dit. C'est bon, on le fera à la fin. Donc du coup, t'essayes de t'enfuir en laissant ton vêtement, mais elle arrive en fait à te retenir par le, je sais pas, sûrement t'as une chemise derrière. Et donc vous êtes tous les deux à vous battre pour le coffret d'œufs, et ce faisant vous infligez un premier choc au coffret. Derrière vous, les flammes commencent à rugir, à ronfler, à prendre du terrain. Et c'est à Féroé. Féroé, tu reprends conscience et tu vois que les flammes commencent à s'étendre.
et toute la, le bureau a pris feu. Tu as soit une dernière chance de choper le collier, de façon directe ou indirecte. Bah oui, je prends mon harpon là et hop là, j'essaye de l'attraper. D'accord. Avec le harpon, tu as une allonge qui te permettra d'éviter de mettre tes mains dans le feu cette fois-ci. Mais par contre, il faut quand même que tu me fasses un test de dextérité. Tu dois faire plus que 12. Ouh ! Ouf ! C'est bon. Tu chopes le collier qui vient s'enrouler dans ton harpon, tu le récupères. Tu peux faire un mouvement si tu le souhaites. Tu vois qu'il y a des plantes qui grouillent au niveau du sol et qui entortillent tout ce qui passe dans ce cercle. Eh bien, je vais le contourner, je vais essayer de trouver la sortie. D'accord. Donc là, tu peux te déplacer, mettons, jusqu'ici, Max. D'accord ? Ouais, ok. Ça marche, et tu as récupéré. Ça me permet d'observer un petit peu ce qui se passe et de voir s'il y a des gens. Tu vois que Sulfura et le Gopneldon sont en train d'en venir aux mains. Reto, à toi, que fais-tu ? Ah, je peux préparer mon filet ? Et au prochain coup. Reto, c'est à toi. Joss, Reto. Oui. C'est moi. J'appuie pas sur le bouton, ça marche pas. Moi pour info, s'il m'a entendu incanter, forcément, il sait ce que ça veut dire. Ouais. Il sait qu'il y a bagarre. Celui-là que je suis en train de tenir, là, je le sens hostile ou pas ? À toi ? Ouais. Non, il se dirigeait vers l'intérieur de la pièce. Mais ouais, puis moi j'ai pas vu pour qui il travaillait. Ouais. Enfin, il a fait un accord avec toi, en tout cas, avec vous deux. Après. Baston. Pour maman. Étrange. Oui. Non mais c'est. Baston qui. Mais le mec qui est devant toi, t'en fous. C'est pas moi. Donc voilà, non, mais si je vois qu'il veut rentrer et puis voilà, il y a Darwin devant, je veux pas. Là, il est hors de question qu'on touche à Darwin. Ça, c'est même pas en rêve. Donc je vais le plaquer au sol en fait. Comme je le tiens déjà, en fait, je fais un grand mouvement. Enfin, je prends toute ma force, tout ce que j'ai. Tu le replaques au fort en sol. Je le plaque complètement, ouais. Vas-y, refais ton test de force alors. Là, on est dans la force brute et pure de Reto. Donc, Darwin, tu jettes un petit coup d'œil derrière toi et tu vois que, ben, sachant pas trop, voilà, il a éclaté le mec qui a ouvert la fenêtre au sol. Là, il va se prendre quelques dégâts et quelques dents en moins, hein, parce que ça fait quand même deux fois. Au corps à corps, ça te fait combien en dégâts et tout ? Alors là, c'est une bonne question. Alors attends, ça doit être possible de le voir. C'est un D4. Si c'est pas noté, c'est un D4. Plus ta force. Un D4 plus ta force. Ça lui fait quand même 6 points de dégâts parce que là, ça fait la deuxième fois. Là, tu l'as forcément brisé quelques côtes. Hein, c'est pas voilà, possible. Voilà. Là, le mec, il est un peu. Alors, normalement, c'est du temporaire quand c'est. Voilà. Ok, donc Reto. Dis-moi. Est-ce que j'ai le droit juste de dire un truc ou pas ? Oui, parler, tu peux. Ouais. Darwin ! Qu'est-ce que j'en ai fait ? Laisse-le mourir là, viens ! Qu'est-ce que t'en fais ? Marche-lui dessus, viens ! Bon bah écoute, le prochain coup je vais lui marcher dessus. D'accord, ça marche. Alors. Je vais l'achever à coup de talon. Celui qui est dans la salle, c'est celui qui a jeté le feu grégeois. Voyant que il y a des opposants dans la salle, il va couvrir son ami qui se précipite vers le coffret. Et il va dégager la porte en fait. Donc il tire sur. Qui est devant la porte ? Darwin. Donc tu vois, il a sorti son arbalète. Et en fait, il jette un carreau d'arbalète. Ah merde, pardon. J'essaye de le faire passer sur le truc, mais j'ai la porte. Donc en fait, ça me le tire, je sais pas, sur la porte. Alors, ça fait en désavantage parce qu'il est. Ouh, il a fait quand même 19. Il a droppé un 20, hein, pour la petite info. Oh.
Donc tu vois, il y a un carreau d'arbalète en fait. Tu vas te prendre un carreau d'arbalète, Darwin. Aïe. Bah voilà. Et ça fait... Ah bah il n'y a plus mon sort. Les plantes disparaissent, hein. C'est ça. Elles se rabougrissent et libèrent ceux qui étaient emprisonnés. Ah. Le bandit qui est là, il pouvait tout à fait partir. Il voit Sulfura et Vas qui sont en train de se battre pour l'objet qu'il veut lui aussi. Donc il se précipite sur toi, Sulfura, et en fait, il va donner un grand coup d'épaule. Il fonce en fait tête baissée sur toi. Il faut que tu fasses un test de sauvegarde de force, Sulfura. Tu vas faire plus que 10. Enfin, il essaye de te bousculer. Hein. Ouf. Alors, on fasse du vin. Non, alors, j'ai besoin que Vas, tu vas me faire aussi un test de sauvegarde de force parce que vous étiez plus ou moins empoignés l'un à l'autre. Et je pense que les deux, vous allez tomber tous les deux. Il faut que tu fasses plus que 15, Vas. Parce que le poids de Sulfura va t'entraîner. Voilà. Sauvegarde de force. Non. En fait, vous tombez tous les deux. Le coffret va prendre un choc. Et vous allez avoir le mec qui est dessus de vous. Là, vous êtes au sol. Il vous faudra une action pour vous relever, tous les deux. Ah bah c'est malin. Bravo. C'est à Darwin. Ouais, alors. Tu saignes. Ouais, je saigne, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je libère la porte. Ah oui, d'accord. Il y a la cavalerie qui va arriver derrière. Je vais. Une action bonus pour me lancer un sort sur moi. Ouais. Et. Et si automatic miss, je sais pas ce que c'était, mais ça ah non, c'est pour jouer. La c'est pour l'attaque, mais non, mais mon sort il passe, c'est, quoi qu'il arrive, il passe, c'est pour l'attaque. Je me suis gouré de boutons, donc il n'y a pas compte. C'est j'attaquerai après. C'est gourdin magique le sort, c'est juste pour faire changer mon arme. Et si je peux, je vais sur le bandit 2 si tu me l'accordes ou pas. Sachant que mon spell, c'est une action bonus. Une action bonus, ouais. Oui, tu peux. En fait, il tourne le dos et tu vois, en fait, il profite de ce que Sulfura et Vas sont tombés. Il essaye de prendre le coffret. Et toi, t'arrives ? Moi, si je peux, je vais lui foutre un coup de bâton. Vas-y. Je vais l'attaquer. De toute façon, il te voit pas parce qu'en fait, il est occupé avec autre chose, là. Une grosse mêlée et il y a le feu, les Ah, flammes. Bah voilà ! Oula, ça fait mal, ça. Bon, bah dis donc. Il me l'a pas ciblé. Voilà, avec les ah si, moi je l'ai, hein, attaqué sur Bandit 2. Moi je l'ai ciblé. Hein. Pour moi, il est ciblé. Je le vois pas, moi, dans le combat tracker. C'est comme si c'était pas ciblé. Oui, je vois qu'un seul target Bandit 2, c'est bon. Je lui fais les dégâts maintenant qu'il est ciblé. C'est ça. Oh! Alors, c'est quoi ton arme? C'est ton bâton? C'est mon bâton, oui. Tu lui donnes un grand coup de bâton. Du coup, il s'aperçoit que t'es derrière lui, maintenant. Ah bah oui, il a pris un coup de bâton sur le coin du crâne. Paf! Vas, c'est à toi. Telle une anguille, avec d'un seul bond, je me redresse. Ouais. Ce qui me prend la moitié de mon mouvement. Et je fonce vers la porte, en dashant. Mais tu sais que le coffret, tu l'as plus. Ah, je croyais que je l'avais encore, le coffret. Parce que quand vous êtes tombé, en fait, le coffret est tombé aussi. Je prends le coffret aussi vite que je peux et puis je fonce en dashant vers la porte. D'accord. Sulfura, tu peux essayer de le choper au passage. Il faut que vous allez faire Dex contre Dex. Donc faites tous les deux un test de Dex. Ça va finir en omelette. 10 pour Sulfura. Et 14 pour Vas. Il arrive à te glisser entre les doigts. Il chope quand même le coffret. Il passe. Après, tu peux pas aller... Enfin, je sais pas, t'as regardé à combien t'étais. C'est 6 cases. C'est 6 cases, ouais, donc ça fait la moitié. 1, 2, 3 et 1, 2. D'accord. Reto... Allez. Oh, rapproche-toi. Ouais. Reto, tu vois passer... Viens par là. Je vois trop près, lui. Une petite bestiole avec le coffret, un coffret sous le bras. Donc ensuite, Harald. C'est joli.
Donc t'as vu l'autre se barrer, il y a ton... Je ne l'ai pas mis, mais il y a le prêtre qui a été repoussé en fait du bandit. Donc il ne le tient plus parce qu'il a dégainé son arbalète. Ouais, je vais lui tirer dessus avec mon arbalète sur le bandit 1. Je vais essayer de mettre le token du prêtre aussi. Parce c'est qu'en fait le bandit 2, il n'est pas dans le combat tracker. C'est pas le truc. Oui, il n'y a que le bandit 1 dans le combat tracker. Ouais. C'est pour ça que j'avais du mal. Allez. Bon, en tout cas, il fait 21 pour le toucher. Ça a l'air de... Oui, c'est bon. On va se prendre une belle flèche. Un beau carreau. Bing. Et je me déplace. Tac. Je t'ai mis le prêtre, hein. Ok. Le prêtre palu, là. Hop. Et je m'approche. Je m'approche un petit peu. Voilà. D'accord. Donc, t'as réussi à le blesser. Donc toi c'est bon, et moi. C'est à Sulfura. Alors moi je crie au nom de la élite, au nom du roi Dieu, arrêtez-le. Et je vais courir après Vast. Hein. Je peux pas le laisser partir. Donc tu peux, si tu dashes, tu peux faire double mouvement. Et 6 toi aussi. Hein, donc. Oui. Ouais mais t'es au contact, tu vas te prendre une attaque. Ouais. Ah oui, il y a le bandit. Oui, tu vas te prendre une attaque, mais bon je crois non. Qu'elle sont... Enfin... J'avais cru comprendre que le coffret était plus important que le bandit. Rien à faire, oui, oui. Ah. Donc je cours après l'autre, là. Alors, on va voir si au passage, il touche. Donc lui, il avait le cimetière. Attends. Juste avant que tu t'enfuies. Non, mais ça te touche pas. Il t'a loupé. T'es allé trop vite. Normalement, tu vas pas aussi vite, moi. Hein. C'est une petite bestiole qui court. Ouais. Normalement, tu le vois. Là, tu le vois. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Tu vois, et en fait, t'as peut-être du mal à la reconnaître parce qu'elle a une super armure avec tout en écailles de dragon, super belle, super brillante, et avec les cheveux roux qui volent au-dessus, c'est magnifique. Je pense que t'as tout ton action. Bonjour, madame. C'est beau, mais prendre le bas d'armure, c'était pas très prudent. Hein. Alors, vous voyez ceux qui sont dans la salle que le feu commence à toucher le deuxième bureau. T'es vraiment sûr que tu restes dans la porte Féroé. Féroé, il s'approche il de la porte là. Il cherche une bassine d'eau. Il sèche, il voudrait de l'eau, s'il vous plaît. Et donc, est-ce qu'il est en difficulté, Harald? Non, il n'est pas en difficulté. Et... Ben, tu vois que je vais essayer d'attraper mon supérieur qui n'est pas très bien. Je jette un filet sur le bandit 2. D'accord, vas-y, essaye. Car à toi, Darwin. Pêché par un poisson, là, on aura tout vu. ça passe, c'est... Non, tu vises, t'arrives pas à bien viser, t'es gêné, tes yeux commencent à piquer avec toutes les flammes qu'il y a à côté. D'ailleurs, tous ceux qui sont dans la pièce, vous commencez à être un petit peu gênés hein, par ces flammes-là dessus. Hein. Là, vous commencez à avoir la gorge qui commence à faire un petit peu mal. Donc ça marche pas, Féroé. Ok. Donc après Féroé, c'est Reto. Alors, moi, mon petit copain, là, il est dans quel état, lui? Ah ben, tu m'as dit que tu marchais dessus. Ouais. Il bah, était déjà il au sol. Je l'achève, hein, je m'en il, est... il est violé. Tu veux le tuer ou juste le laisser inanimé au sol? Inanimé, quoi. Enfin, ah bah, ben, ouais. C'est bon, alors. C'est bon. Il bouge pas. La différence, elle est... C'est quoi, enfin, c'est quoi la différence? Disons que il respire encore. Disons que le pied taille 54, ça l'a achevé un petit peu, là, il est dans les pommes, là. Ah bon, bah alors s'il est dans les pommes et qu'il bouge pas, je rentre, parce que je vais aider Darwin, mais je rentre. Ok, sauf que, y en a deux dans la porte, donc là, tu peux t'approcher si tu veux. Je rentre. Tu les pousses. Ah, tu je rentre en mode charge. Épaule devant, là, j'aurai deux mains, et je rentre. Voilà ça. Brrrr. Voilà, donc Féroé et Sulfura, vous êtes repoussés à l'intérieur par Reto. Et je vais prendre celui qui est aux prises avec Darwin, enfin si je peux, et je vais... Tout en finesse.
Si je peux lui meuler un coup de hache, je le fais. Voilà. Alors, il vous bouscule, donc je vous passe, allez, on va dire. Donc, il passe, tu peux faire. T'étais juste à côté de la porte en plus. Normalement, en mouvement, tu peux arriver à un côté. T'as lui piétiné la gueule, donc j'étais là. Ouais. Tu peux arriver jusque-là, toi. Là. Ouais, ouais. Bon, bah écoute, si je peux lui mettre un coup sur la tronche, je le fais. Mais il y a le filet. Tu l'as récupéré ton filet, Féro. Bah, normalement, oui. Si j'ai raté, ça marche. Je le retire vers moi, quoi. Non, non, mais c'est bon. Vas-y, tu peux, Reto, pardon. C'est le grand, retour de Provençal. Il y a trop de monde en fait. Vous êtes tous les uns sur les autres et du coup toi t'as besoin de place quand même pour bouger et tu te retrouves dans un banc. Il y a un bout de ferro et qui te gêne, tout ça. T'arrives pas bien là. T'es gêné. Il t'empêche de faire. C'est le filet. Et en plus, t'as failli te prendre de casser la figure à cause du filet. Alors, le bandit qui est là, il voit que... Il voit qu'il y a un gros truc vert qui arrive. Eh ben, c'est pas ça, c'est que lui, ce qu'il cherchait, c'est plus dans la pièce. Donc du coup, il va ressortir. Hop, oh bah non, je viens de rentrer. Il peut ressortir, alors j'étais en train de chercher une issue, mais est-ce qu'il y a une autre issue? Mais par où t'es sorti, je t'ai pas vu rentrer. Ah non, merde, j'avais pas fait de porte là, je suis con. Bon, si, bref. Il y a une fenêtre en haut. Ouais, mais c'est pas. Oui, il y a la fenêtre, mais ça l'intéresse pas. Il voulait. Bref. Donc, il va se précipiter vers toi, Sulfura, en fait. Alors, attends, il est passé où? Et tu le gênes, donc il se précipite avec son cimeter à la main. Je t'attends. Tiens, pousse-toi. Il plante au passage. Super. En taille. Le deuxième, il a le feu derrière lui, un monstre vert et un druide armé d'un bâton. Eh bien, il choisit la fuite. Le feu. Les prêtres. Les prêtres. Hop, 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 hop. Comment ça, ils sont... Tu peux faire... Ah bah, il a deux attaques d'opportunité dans la gueule. Un nouveau tour ou pas? Il a la mienne sûre et ah bah oui. Darwin, t'as pas fait de... Non, vous pouvez tous les deux en principe. Hein. Bah oui, non, et pop, 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 où c'est qu'il s'en va lui? Sauf s'il fait, sauf s'il fait une retraite. Hein. Ah, sauf s'il fait... ouais, faut qu'il fasse quoi? Faut qu'il... Ah oui, vous savez... Il fait son action pour esquiver, oui. Non, en fait, il fait... non, mais il se barre. Ouais, s'il fait rien d'autre. Mais il peut en se désengager. Il se désengage, voilà, chercher. S'il se désengage, par contre, est-ce qu'il peut esquiver les deux? À mon avis, pas sûr. Hein. Ah. Il y en a qu'une, faut qu'il choisisse bien. On va le tirer au dé. Allez, Reto, jette un dé. 1, 2, 3, c'est pour toi. 4, 5, 6, pour Darwin. Vous pouvez vous déplacer. 1, 2, 3, c'est pour toi. Ah, oh, chic. Non, il se prend rien. Recommencer. Attends, j'ai raté tout à l'heure. Il reviens, se prend ouais, rien. Mais c'est pas un PJ, c'est un PNJ. Ils sont morts. On va voir. Ça passe. Vas-y. La vache. Je pense que tu viens de l'achever, Reto. Vas-y, décris-moi ça un petit peu. Que bah, au moment où il veut se barrer, je prends ma hache à deux mains et je la mets par-dessus mes épaules. Je le fends en deux par la verticale. Le... Je pense qu'il va rester à sa place. Et une fois qu'il est à sa place, je prends toujours ma hache à deux mains, je la lâche pas, je colle le pied sur son buste et j'arrache la hache pour la récupérer. Bon, t'as récupéré ta hache. Donc ensuite... Il doit être pas loin d'être fondu en deux. Celui qui était là, il va pas bouger. Par contre, vous avez... Donc Darwin. Qu'il est mort, hein, celui qui était là. Ouais, on se casse. Je dis on touche pas, mon frère. Moi je te regarde puis je fais on se casse. J'essaye de passer entre mon frangin et puis Féroé là, et je veux jeter un œil dehors où c'est qu'il est le petit machin 1, 2, 3. Juste comme tu, quand tu sors, tu le vois en fait, je pense que tu te diriges vers la porte, hein, Vas. Oui, oui. Tu vois qu'il se dirige vers la porte. Ouais, moi je fais 30 de base donc. Ok. Ah, tu peux le choper. Ah, vache. Ouais. T'as un petit peu de marge encore hein, pour bouger. Choper. Ouais. Je peux le choper là. Ouais. Je peux le choper ou pas? Bah, Dex contre Dex.
En fait, non, enfin, ouais, moi je voulais. Flaque-le comme quand on joue à la maison. Je voulais. Dis-moi. Bah, je voulais foutre un coup de bâton pour le faire tomber, quoi. Ah oui, bon, bah à ce moment-là, vas-y. Façon, pour te faire tomber, c'est pas du létal, hein. Mais... Je suis toujours. Non, c'est pas du létal. En child, ouais. Ouch. Ah, je l'ai pas ciblé, donc je sais pas. Attends, on va te dire ça tout de suite. Vaste à quoi en CA? Je cherche. J'ai 14. C'est... Première page. Raté. T'as mon bout de bâton qui t'a pris, ton bout de ta robe là, ou je sais pas quoi là. Et vite. Je sautille pour éviter le arrête-toi. Arrête-toi. Et je sors. Du coup, je termine mon mouvement dehors. Et je suis dans les bateaux. Ok, Vas, quand tu sors, tu vois deux types patibulaires. Ils s'approchent vers toi. C'est. Alors, il me reste numéro 4. Parce que des types patibulaires, il n'y en a pas dedans. Non, mais dedans. Ceux-là, ils sont. Il y en a un qui est ouvert. Tu en vois. En fait, t'as l'impression qu'ils étaient là et ils attendaient en fait, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Quand je les vois, je reconnais leur mine patibulaire. Je leur dis d'aller dans la maison et d'aller récupérer les œufs. Ils sont dedans. C'est moi. Tu bluffes, hein. Tu bluffes, Martoni. Fais-moi un test de persuasion. Allez, persuasion. Et il faut qu'il fasse un insight à la place, quoi. Normalement. C'est insight. Ouais, pour vérifier si quelqu'un. Ouais, mais c'est pareil. Quoi. Il a pareil en fait. Bah, ça changera rien. Ils hésitent, mais ils y vont pas tout de suite. Enfin, je sais pas. Ils hésitent. ils hésitent. Et puis, il y en a un qui dit « Ouais, d'accord, mais on va te fouiller. On a dit que tous ceux qui devaient sortir, nous, on doit les fouiller. » Dépêchez-vous, ils vont partir. Un lien nébuleux entre cette bande et celle qui trafique les coquillages à la porte de la élite. Les gens trafiquaient pas des coquillages. C'est ça, par contre. En fait, t'as les deux. Ils veulent te fouiller, en fait. Ils veulent pas te laisser passer comme ça. Je leur parle en argot, bien sûr. Pour leur faire comprendre quand elle est chez de la maison. Ouais, mais ils savent bien que t'as pas le même chef qu'eux, donc... c'est pas la même maison. c'est pas les mêmes, c'est les mêmes, mais pas les mêmes. Donc je te laisse aux prises avec eux, parce que là t'avais couru tout ton mouvement, hein, je crois. Oui, oui. Harald, c'est à toi. Eh bah du coup, je me rapproche du prêtre, et je l'attrape et je le mets sur mon épaule. Ouais. Et... ça c'est pas glorieux. Et j'essaie de sortir le plus rapidement possible avec lui. Tu te diriges vers la vers la sortie, là où il y a tout le monde, ouais. Même si à mon avis avec lui sur moi, j'ai peut-être pouvoir. T'as de filer la moitié de ton mouvement en fait quand t'as quelqu'un en charge. Comment ça fait, voilà, j'arrive à côté du. Il commence à faire chaud hein, dans la pièce. Hein. Bah, je ne vous cache pas qu'un truc tout en bois, là, ça commence à faire chaud hein, quand même. Et je vois le grand ouvert, je fais file-moi un coup de main, là, il est. Aide-moi. Je dis s'il te plaît. S'il te plaît. Putain, j'allais le dire. C'est quoi le mot magique? C'est quoi s'il te plaît. Comment on demande. Toi qui es costaud. Tu vas l'aider, Reto? Ouais. Je vais le prendre et puis je vais partir avec. Quoi. Après. Avec les deux. Non, ça, c'est à chaque bras, moi, à la limite, si ça tu veux. Un peu ça, ouais. Bon, si tu veux. c'est possible. Ben, on te fera bouger à ton tour. Sulfura, c'est à toi. Aux prises avec un bandit qui vient de te planter. Non, mais j'ai pas le temps de m'occuper de ce bonhomme, quoi. Moi, je poursuis Vas. D'accord, ça marche. Alors, laisse-le juste planter à nouveau et après, tu pourras y aller. Attends. Fais-toi plaisir. Et oui, ça passe cette fois-ci. Pas très mal. Il t'a fondu, en fait, comme tu t'es retourné parce que tu t'occupais pas de lui. En fait, il t'a carrément... T'as tout le... Et tu t'es pris un choc sur toute la colonne vertébrale. Ah oui, non, mais... Mais ça n'a pas transpercé ton armure. Non, mais bon. Non, je vais quand même courir après... après Vas. Même pas mal. Sulfura, vas-y, tu peux... Donc là, tu fais que courir pendant tout ton tour, en fait. T'as même pas esquivé rien. Donc tu fais double déplacement.
C'est quoi, c'est 5 cases en normal, donc là ça fait 10, c'est ça? Ouais, tu peux m'avancer là. Ouais, c'est parce qu'il y a trop de monde. La porte est ouverte ou fermée? Ouverte. Mais poussez-vous au nom de la élite! Au nom du roi Dieu! Je pense que t'arrives jusqu'à la porte. Merde. Rends-moi les œufs! Et tu vois qu'en fait, il est aux prises avec deux autres mecs. Je m'aperçois quand même que c'est des bandits, hein. Je sais pas... Oui, 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 non, mais là, c'est clair. On peut encore avancer? Alors, on arrive à ce que le feu est encore en train d'envahir. Là, encore un peu et vous pourrez pas sortir. Hein. Dépêchez-vous, sortez de là. Vite. C'est à toi, Firouille. Eh bien, voyant que Harald et tout ça, ils vont sortir, hop, je sors à mon tour. Et j'ai un déplacement assez rapide, moi. Tu fais que courir, hein. Ouais. Je sais pas, en déplacement, t'es normal toi, attends. 30, 30. Je suis comme le petit. Ah bon, bah du coup, ça te comme le petit fait... Eo. Et ça te fait combien en cases du coup? Hein, ça te fait combien toi quand tu te déplaces? C'est 6 cases, c'est 6 cases. Donc tu peux faire jusqu'à 12 cases. Mais 30, c'est comme moi aussi je suis à 30. Ah ouais? Ouais, c'est un déplacement ça fait normal. Hein. Cases, alors, bah, j'étais ah bon 1, bah ouais, 3, speed 4, 30. 5, 7, 8, 9, 10, 11. Bah je peux sortir jusqu'ici quoi. Ah, pareil, tu vois, il y a Vas et qui est au nez à nez avec deux. Tu peux te mettre juste voilà, à la sortie pour pas gêner. Et Sulfura aussi, hein, parce que sinon. Ok. Ah, d'ailleurs, deux déconnectés. Bon, on va voir. Reto, c'est à toi. La crame derrière toi. Ouais, donc du coup, je prends. T'as les prêtres ouais, un sous chaque bras. Là, j'échappe par le colbat et. Hop là. Et tu charges et dehors. Je sors. Oh, je charge, je m'en vais. Alors, ok, bah tu peux aller jusqu'à la porte, tu sors. Ouais. Si tu fais que... Donc toi, c'est 6, c'est la moitié du mouvement avec les deux. Donc Harald, il te porte aussi. Hein. Merci, Reto. Tu te sais, effectivement, je vais beaucoup plus vite comme ça. Un à droite, un à gauche, et c'est parti. Ok, attends, ouais. Harald, je crois que t'es coincé dans la porte. Ah, mais ah bon. Attends, je sais pas, t'arrives à bouger ou pas? Oui. Voilà, c'est bon. Hop. Voilà. Voilà. Oui. Bon, j'avoue que je porte pas complètement, hein. Ça traîne un peu, mais. C'est pas grave, on aide. Vite, sortons de là. Voilà, je te laisse reprendre la fiche 2. Ok, donc vous sortez presque. Qui c'est qui me reste? Donc celui qui voulait sortir, ben voyant que vous êtes tous agglutinés, lui, il va passer par. Par là, hop, hop, il se barre par là. Ouvert. Je sais pas si vous voyez jusqu'où il va, mais il y va. Ouais, il y avait okay. Une porte, il est parti sur là, ok. Qui c'est qui me reste maintenant? Le 3. Ah non, mais lui, il est crabouillé au sol, donc d'ailleurs, je l'enlève. Il va finir ses jours. Comme personne n'a sorti, je pense qu'il va mourir. Et j'arrive à... Paraplégique. Ouais, mais de toute façon, je pense qu'il va cramer, là. Tu feras gaffe, Bandit 4 et Bandit 5 sont pas sur le combat. Ben, en fait, vous les voyez pas, mais ils y sont. C'est parce qu'avant, on pouvait pas faire ça, mais maintenant, je peux les cacher dans le... Bref, donc tu as Bandit 4, n'est-ce pas? Donc, Vas, tu te retrouves prise aux deux mecs. Alors, au début, ils avaient juste l'intention de te secouer pour te fouiller, mais ils commencent à voir plein de gens qui sortent. Donc ils paniquent un peu, donc ils vont carrément... leur but, c'est de te prendre par les pieds et puis de te secouer, tu sais. Bah, j'essaie de me sortir de leur emprise et de partir. Tu fais un sauvegarde dextérité. Plus que 12. Tu fais 13. 18, ouf, ouf. Donc tu arrives en fait à esquiver le premier et le deuxième te fait un croche-pied. D'accord, là... De me rétablir et partir en courant. Donc tu fais cette fois-ci... Bah non, dextérité aussi, en fait. De toute façon, toi, c'est de la dextérité plutôt. Et hop, t'es vite. Donc tu vois, Sulfura, il arrive à choper, à... hop, il arrive à passer, en fait. Après, j'ai plus de cartes, hein, donc je peux pas trop te bouger. Après, je cours, voilà, je cours dans la rue, plus vite possible. Double dash. Darwin... Bah moi je cours à fond. Ok, et bon, toi, je sais que le petit a volé quelque chose, donc
Ah, mais tu le poursuis aussi? Ah, bah, je le poursuis, oui. Bah, toi. Alors, mais je sais pas, j'arrive pas. Attends, je recible sur toi sur la carte. T'arrives à le rattraper là ou pas? Bah, en fait, faudrait plus. On va à la même vitesse, je crois. Faudrait qu'on fasse un jet de constite pour savoir qui s'essouffle en premier, mais. Tu veux juste le poursuivre ou tu veux jeter quelque chose sur lui à distance? Tu vois qu'il court vite, hein, quand même. Ouais, moi aussi. D'accord. Non, et mais ben... ouais, si, attends, attends. Tire-lui un coup d'arbalète dans le dos, il bougera moins. Et oui. Attends, j'arrive. Faux. Je vais lui jeter. J'arrive. Je vais lui jeter mon bâton dans la tronche. Moi, j'étais de près. Je suis dehors comme le mec au javelot là et ouah, je vais lui jeter dans la tronche. En fait, t'essayes de le faire tomber. Ouais, mais en lui jetant mon javelot, en lui jetant mon bâton en plein dans la tronche. Bah, fais une attaque du coup, fais une attaque. Je l'ai mis en lancé. En lancé là. Ouais, je l'ai passé en lancé. Ah, je l'ai pas ciblé. Ah, je crois que ça passe pas, hein. Hein, t'as plus que 11, hein, ouais. 14. Double saut périlleux de Vas. Et en plus, t'as plus ton bâton, du coup, derrière. Enfin, je vais aller chercher. Il tend juste la main et le bâton revient. Vas, c'est à toi. Je suppose que tu continues à t'enfuir. Je cours et j'essaie de me planquer. Alors, une question pour toi. Tu as... en fait, tu peux aller... soit tu retournes vers le passeur... Soit tu retournes, tu vas vers une auberge que tu vois juste à côté de toi. Je file vers une auberge. Tu vas vers l'auberge, ok. Bah en fait, tu continues dans cette direction-là. Harald. Et encore transporté. Donc on va faire jouer Rito. Harald. Et encore transporté. Donc on va faire jouer Rito. Sorti du bâtiment. Ouais, je me laisse transporter. Bah, si, voilà, si tôt que je peux... Ah bah tiens. Bah voilà, je sors et puis sitôt que je lâche, je les lâche. Je pose pas, je lâche. Je les lâche, d'accord, ça marche. Donc du coup, Rito, ça fait ton action. Je pense que ton mouvement, tu peux faire... Je te fais jouer en premier hein, parce que c'est plus logique. Du coup, oui. tu peux faire une action. Ton mouvement, c'est fait, mais tu peux faire une action. T'as deux bandits qui sont en train de regarder le petit qui se barre. Ouais. Et qui tourne le dos. Enfin, qui font pas trop attention à toi. Darwin qui essaie de lancer son... Il vient de jeter un bâton sur le petit, là. D'accord. Le petit Il est toujours visible. Oui. Il a volé un truc. Ah bah oui, non mais t'inquiète pas. Je vais sortir une de mes javelines. Enfin, j'ai une javeline, donc je vais l'arrêter à la javeline. Oh, vous avez pas dit, c'était... Papillon. C'est PVP, hein, ce soir. Hein. C'est ça. Clac. Alors, attends. C'est laquelle, la javeline? C'est ça. J'aime pas le target Vas. Oh merde. Kling, la javeline qui se prend dans un bout de ponton là, qui reste planté. T'es pas passé loin Vas, mais tout va bien. Ouais. Donc je reviens sur Harald. Ok. Donc je braille en même temps. Arrête pas. Ok, donc tu vois la scène. Ok, je vois la scène, je vois que le pion capuchonné s'enfuit avec la boîte. Et tu vois que derrière le bâtiment est en train de cramer aussi. Je vous le rappelle un peu. Oui, mais... bah, du coup, je fais en sorte de me dégager du bâtiment en me rapprochant du prêtre et en voyant. Tu vois qu'il y a des gens aussi qui commencent à venir voir et qui sont aperçus que ça commence à cramer aussi. Hein. Ok, bah, je gueule. Partez, il y a le feu dans le bâtiment. Mettez-vous à l'abri. Ok. Et quand je vois Vas s'en aller aussi loin, je fais une petite prière. Et sur lui, je lui balance une flamme sacrée. Vas-y. Merci. Oui, quand même. Merci. Vas, tu vas te faire plein de nouveaux amis. Tu vas voir, ça va être très facile aujourd'hui. On va faire une bonne équipe avec vous tous, ça va donner. Alors, donc du coup, on va voir si ça marche. Je prends ça et je caste sur toi. Voilà.
Je pense que là, par contre, le bâtiment... Le vase, il est rapide comme une anguille, là, ce soir. Ah, mais là, flamme sacrée, hein, là. Donc, il rate. C'est ça, hein, c'est ce que je vois. Ouais, ouais, il rate. Ouais. Donc, du coup, sacrée, tu... Donc, d'un coup, tu vois une... Voilà, tu te vois un, une, voilà, une flamèche, un rayonnement semblable à des flammes qui, te, qui viennent te griller les fesses. Ah oui. Oh. Ah, si, ça ah oui. Et tu prends 6 points de dégâts. Ah merde, je les ai fait sur moi. Ah oh, putain, je suis trop con. Ça passe jamais, flamme sacrée. Ouh, mais alors là, vache, t'es vraiment. Je m'écroule. Tu vois, il s'écroule. Ouais. Il tombe au sol. Je tombe au sol. C'est un peu trop fort là. Et vous voyez la boîte qui est plusieurs mètres devant moi qui s'ouvre. Et du coup, je fais. Il est tombé à la. Il faut... Allez-y. Et je vais aller le soigner, ne vous inquiétez pas. D'une main, il te frappe, de l'autre, il te soigne. C'est pire. Je vais te faire des nouveaux soins. Allez, tiens, je te soigne. Sulfura, c'est à toi. Vous voyez que j'ai des coups de goutte de sueur, de rien. Je fais ce que je peux. Alors là, le problème, c'est que je ne peux pas passer. Donc, mais poussez-vous, poussez-vous. Je peux pas rentrer et ressortir par l'autre porte. Non, mais parce que... je peux, c'est parce que tu vois là, il y a la place en fait, mais j'ai pas fait le plan. Je rentre le ventre pour qu'elle passe. Oui, poussez-vous, poussez-vous. Faut que j'aille récupérer les œufs. Alors, tu vas récupérer le coffret d'œufs. T'as tout ça pour des œufs, pour une omelette, quoi. Mais mon Dieu, que dites-vous? Ce sont des œufs de dragon. On fait pas une omelette avec. Sulfura, à propos d'omelette, j'ai trois. Des œufs sur le plat, alors. Jette-moi un des vins. C'est bon les omelettes. À la coque. Maman faisait toujours des omelettes. Maman faisait toujours des omelettes avec des champignons. Ouais, puis tu te souviens quand elle rajoutait des petites herbes qu'on faisait pousser dans le jardin. Alors, oui. Sulfura sur les 3 œufs. Ouais, c'est moi qui déprête les herbes. Il y a un œuf cassé, un œuf fêlé et un intact. Aïe. Ah merde. Ils ont pris cher, hein, les deux. Je me mets les mains dans les... Enfin, tu sais, les mains sur le visage, quoi. J'essaie de me cacher parce que c'est un peu la honte, quoi. Tu peux ramener le coupable, hein. Tu peux ramener le coupable, hein. L'autre, je la... je suis mort à sa gueule. Mais après, il est un peu inconscient, là, le pauvre. Eh bah justement, j'en profite. Je crois que tout ce que je pense. Si tu le prends, tu vois, il est comme ça, quoi. Je le prends et je le secoue. Voilà, tu peux l'achever là. Les autres, que faites-vous? Du coup, là, pour vous résumer la situation, le bâtiment crame complètement. Les gens qui étaient à l'intérieur, ils sont enfuis depuis un moment. Mmh. Les badauds regardent le bâtiment cramé. Parce que, ben voilà. Moi, j'alerte s'ils peuvent trouver du moyen pour éteindre les flammes. Et c'est combien les seaux de l'eau? Bah après, l'eau est pas loin, hein. Il y a ouais, juste voilà. À aller chercher les seaux. Voilà, fais-moi un test de charisme, tiens. On va voir si. Les pompiers, c'est combien? Allez, bougez-vous. Les pompiers de l'élite. Il y a pas. Il va falloir que vous les inventiez. Allez, bougez-vous l'arrière-train, là. Vite, maniez-vous le cul, là. Allez, hop. C'est on va ça. Pas laisser cramer le bâtiment. Après qu'Harald ait commencé à haranguer la foule, vous voyez, ils forment une chaîne et ils commencent à éteindre le bâtiment. Ils vont réussir à éviter que les flammes se propagent aux autres bâtiments. Par contre, clairement, la salle de maître CFA est définitivement cramée. Là. D'ailleurs, vous le voyez qui sort, qui est complètement anéanti là, par les événements. Sulfura, tu vas faire quoi de Vas et des œufs? Ah. On a un petit souci micro à mon avis. Ouais. Vous m'entendez pas? C'est oui, bon, là, on t'entend. Maintenant. Là maintenant, ah, oui. Donc je vais l'accrocher avec une corde déjà pour commencer. Pendre. Non, non, faut que je l'interroge. Je vais le pendre. Après, tu sais qu'il a besoin de soins rapides, hein, sinon. Oui, oui, mais ça c'est pas un problème. Je vais l'aider. Oui, ben, l'aider pas de trop, hein. Moi, l'aider suffisamment pour qu'il parle. Le bateau de Darwin, le bâton de Darwin. Aidez-le suffisamment qu'il parle. Et faut que je m'entretienne aussi avec
avec j'ai perdu son nom. Maître Siafa. Avec Sir Siafa. Ok. Harald, tu vas t'occuper du. Ouais, je vais lui mettre alors, un. Alors, va s'y attacher, hein. Tu peux le. Bah, je vais lui mettre un mot de guérison. Voilà, que ma déesse le ringaillardise un petit peu, mais pas trop. Darwin et Reto, vous faites quoi? Bah, je sais pas, j'essaye de comprendre déjà ce qui s'est passé. si déjà Darwin n'y arrive pas, on ne me demande pas. Vous êtes à côté de Sulfur, en tout cas, vous restez avec elle. Et les bandits, ils font quoi, là? Ils sont les bandits, ils font quoi? Eh bien, voyant la foule s'amasser, que vous étiez en nombre, en fait, ils se sont perdus dans la foule, vous les perdez de vue aussi. Féroé, tu fais quoi? Mais le maître priseur, il est où? Le maître priseur, il est devant sa maison en train de pleurer. Il prise. Ah, il s'en va pas, lui. Il pleure, là. Alors, il pleure, je vais vous en chercher un. Bon, j'ai pas pleuré un token qui pleure, mais je vais vous chercher un. Quelle tête il a? Il est pas loin. Tiens, lui, bah, il attend. Je lui dis, vous devez répondre des questions avec la. La paladine là-bas. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il pleure! Ah bah il pleure fort! Ça, hein. Ça fait peur! Ah mince! Non, mais là, je vois plus rien, ça y est! Non, c'est pas grave, je vous ai tous enlevé, mais non. C'est pas qu'est-ce grave, on n'a plus c'est besoin. C'est vaste qu'on égorge! Je vois plus rien! C'est quoi, c'est il pleure trop le gars devant? Et donc, tu veux. Tu veux. Vous êtes deux à vouloir interroger Sifa. Enfin, de toute façon, vous êtes tous les uns à côté des autres. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez lui poser comme question? Bah, moi, je veux savoir d'où. Qui lui a remis les œufs en question? Pour qui il travaille? Enfin, toutes ces. Je travaille pour mon propre compte, ma petite dame, pour mon propre compte. Et là, on me les a vendus, mais personne ne m'avait dit que c'était des œufs de dragon. C'était censé être, voyez-vous, des œufs d'hippogriffe. D'accord, mais qui vous les a vendus? Ah, j'ai eu plusieurs contacts. Que... Vous savez, pour faire des affaires, le mieux, c'est de garder un certain mystère sur les gens avec qui on fait affaire. D'accord, vous avez déjà fait affaire avec eux, avec lui ou eux? Oui, oui, à l'occasion, c'est arrivé. Il me faut leur... Vous me donnez leur nom et je m'occupe de tout ça, là, parce que... Mais quel malheur! Mes registres sont à l'intérieur et ils ont brûlé! Oh, purée. Enfin, c'est pas drôle du tout, là. Non, c'est pas drôle, j'ai tout perdu. Mon beau bureau. La belle carte que le MJ avait fait exprès pour moi. Tout a péri dans les flammes. Tout a brûlé. Oh, ce n'est pas grave. Accepte ce qui est. Laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Il te regarde, il se demande, il se fout de. Ah pardon. Oula. Pardon, pardon, pardon. Et ce qui va se passer, c'est que vous êtes en train d'essayer d'interroger CFA. Vous avez Vaz qui reprend conscience, mais que vous avez emprisonné avec vous, et le coffret des œufs dans les mains de Sulfura. Vous voyez arriver un homme de belle prestance, qui doit avoir entre 50 et 60 ans, mais bien conservé, les cheveux poivre et sel. Et il est accompagné de deux hommes, un type qui a une carrure du bûcheron, assez costaud, pas autant Créto, mais quand même, et puis un autre qui est un peu plus fin, mais qui a une démarche de bretteur. Il s'avance vers vous, il vérifie que les gens sont bien en train d'éteindre les flammes, pardon, et le feu est presque éteint pendant que vous parliez. Et il s'approche de vous, il vous regarde, jette un petit coup d'œil, il voit Maître CFA, il te regarde Sulfura et dit « Je crois que c'est moi qui vais m'occuper de celui-ci. » Et il prend Maître CFA. « Je vais bien m'assurer qu'il ne puisse plus jamais faire affaire sur le ponton. Et ne vous inquiétez pas, mademoiselle, je connais très bien le chef des dragonniers, je lui ferai un rapport. » Ne vous inquiétez pas. Bernice de Montcastel tient toujours parole.
Quant à vous autres, eh bien, j'ai cru comprendre que vous, jeune prêtre, vous aviez aidé à organiser ce qu'il fallait pour éteindre les flammes. Sachez que vous serez toujours les bienvenus sur le pont de mon castel. À l'occasion, vous pourrez venir discuter avec moi au castel. Avec et en fait, il va faire en sorte que tous les gens qui n'ont rien à faire avec l'histoire de l'incendie qui n'éteignent pas les flammes partent faire autre chose. Et une fois que vous êtes en plus ou moins tête-à-tête, il vous regarde et dit « J'espère que la prochaine fois que vous viendrez à mon castel, ça se passera de façon un peu plus calme. Je n'aime pas trop qu'on fasse du désordre sur mes pontons. » Il vous regarde tous, sauf Harald. Harald, ça va. C'était cool, Harald, ça. et il va tourner... Donc, en fait, il vous tourne le dos et puis il va aller organiser les équipes pour commencer à démolir les parties de la maison abîmées, etc. Il y a un des hommes, enfin, des deux, qui va commencer à prendre des travaux en charge. Pour finir ce soir, vous allez retourner... Vous ne pouvez pas rester au ponton de Mocassel. Personne ne peut y dormir, sauf ceux qui sont vraiment habitants. Donc, il va vous falloir reprendre la barge. La barge, oui. Sulfura, tu as des ordres très précis. Tu dois faire ton rapport à la dragonnerie. Hein. Oui, oui. Donc, tu peux inviter tes amis avec toi, surtout que tu sais que ton chef va te demander un compte-rendu et qu'il faudrait qu'il soit là parce qu'il va les faire témoigner. Mes amis, c'est vite dit, elle a volé mes œufs, hein. Non, mais toi, de toute façon, tu suis. Oui, t'as sauté à ta chère. Elle t'a ficelé. Donc, tu... En fait, t'es ficelé. Les autres, vous savez que les dragonniers, c'est quand même une force qui compte à la élite. Vous n'avez pas forcément joué le mauvais rôle dans cette affaire, de toute façon. Et vous savez surtout qu'ils payent rubis sur ongle, toujours, quand on leur rend service. Ouais, nous, on leur a rendu service, là. Pardon, merde. On a rendu service là avec Reto, nous. Oui, c'est pour ça. Ah, est-ce que vous êtes d'accord pour accompagner Sulfura qui doit faire un compte rendu à son chef? Ah, mais moi je suis d'accord. Je porte évidemment le petit bonhomme. Toi, tu. Je Alors porte là, le petit tu... bonhomme et si tu... jamais il l'ouvre pendant, je lui fous une tarte. Lâchez-moi. Moi, je lui conseille. Bah, paf, je lui mets une claque. Je te conseille, petit être, de pas trop l'ouvrir avec mon frère. Donc surtout que il est là-bas facile. Tu sais que tu devras rendre compte de l'état des œufs que tu remets. Oui. Non, mais j'ai trouvé un responsable. Il y a un responsable là. Hein. Donc, moi j'ai tout fait pour les rattraper. Après, je le plains. C'est pas faux. Donc si vous êtes tous d'accord pour répondre à l'invitation de Sulfura, s'arrêtez là ce soir et la semaine dans 15 jours, vous commencerez, en fait, vous allez visiter un autre endroit si vous allez vous retrouver dans les dragonnières, là où Sulfura a fait son entraînement et vous aurez à face au chef des dragonniers. Et c'est là qu'on commencera la suite. C'est pas fini.